à Monsieur le ministre, à mes chers collègues, à tous les étudiants et à l'Assemblée de bien vouloir assister aujourd'hui à une journée scientifique que le laboratoire des sciences biologiques a l'habitude d'organiser et qui est relative au sport de combat. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour l'hymne national. Sont des sports qui génèrent beaucoup de médailles.
Inch'Allah, les Jeux méditerranéens aussi, on aura quelques médailles. Donc, docteur Désir, à vous la parole. C'est le président de la journée. Merci. Bonjour tout le monde. Honorable assistance. Alors, indéniablement et paradoxalement, le combat sportif est sans doute l'épreuve sportive qui incarne le mieux les valeurs olympiques de l'amitié, du respect, en plus de l'excellence, et qui forme les activités du mouvement olympique en vue de la promotion du sport, de la culture et de l'éducation en vue d'un monde meilleur. Qu'il soit à main nue, judo, lutte, karaté, avec une prothèse de protection, gants de boxe, casque de taekwondo, ou avec armes, épées, sabres, d'escrime, le combat sportif matérialise explicitement la très haute symbolique olympique de faire le sport par la guerre. Avant d'être une discipline compétitive, où les athlètes cherchent à perfectionner leurs techniques et optimiser leurs conditions physiques pour gagner des médailles, cette catégorie de sport demeure un excellent moyen favorisant l'éducation des pratiquants à travers la saine rivalité du combat sportif. En effet, sur un plan intrinsèque, la confrontation au combat s'avère un formidable moyen pour absorber les tensions, dénouer les inhibitions et surtout canaliser et transformer l'agressivité destructrice en vertueuse combativité. Sur un plan extrinsèque, les codes moraux, les règles arbitrales, ainsi que les hautes exigences hygiéniques entourant la pratique du sport de combat constituent une véritable école de la citoyenneté et de la vie tout simplement. En revenant sur l'objectif de l'excellence et l'obligation de résultats et de performance, et à l'instar des défis que relèvent tous les sportifs exerçant à un haut niveau, les sportifs de combat affrontent un caractère tout particulier de ces défis. Il s'agit notamment de la nature particulièrement violente du contact physique entre adversaires, infligeant des blessures aussi fréquentes que graves, l'isolement psychologique du sportif au moment de la confrontation, le challenge de croître constamment sa maîtrise technique au but de s'imposer au plus haut niveau, mais surtout la double contrainte d'un entraînement des plus intensifs avec de surcroît la très rigoureuse astreinte à la catégorie de poids imposant des restrictions alimentaires des plus insurmontables. C'est autour de ces problématiques que tâchera notre journée d'aujourd'hui d'apporter une contribution aussi bénéfique que possible pour nous tous. Merci pour votre présence. Merci, docteur Pidir. Donc, juste, je voudrais spécifier que ce n'est pas une journée précise pour le judo, mais pour les sports de combat. Donc, le sport de combat, c'est une forme de compétition dans laquelle les participants s'affrontent. On parle de mixed martial art. Dans ce mixed martial art, on trouve la lutte, le karaté, le judo, la boxe, l'escrime, etc. Donc, avant de démarrer notre journée, je demande à Madame le ministre de bien vouloir nous donner un mot sur cette journée. Et puis, je vous passe la parole, Monsieur le ministre, également. Merci, Madame. Je vous remercie. Vous voyez, très satisfait. Le motif qui a poussé cette satisfaction, c'est d'avoir rencontré beaucoup de gens que j'ai connus. Certains parmi eux, j'ai connu sur le tapis. Bon, je dois voir. Et là, je vois beaucoup d'athlètes et champions. Cet ensemble de motifs qui ont suscité la satisfaction m'ont attiré à venir à cette rencontre qui me concerne, parce que j'étais un ancien athlète de judo. On a flirté un peu avec le haut niveau. Et j'ai eu l'honneur d'enseigner dans
dans cet institut, il y a de cela quelques décennies, j'ai eu aussi l'insigne honneur de présider aux destinées de la post-graduation dans cet institut. Donc, en venant ici, je suis impressionné. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu le décor qui entoure cette institution, combien d'hommes, puisque la lui a formé l'ensemble des encadreurs du mouvement sportif et donc qui ont conduit aux résultats que nous connaissons. Il faut savoir que notre plan pour le champion d'Afrique, c'était peut-être la meilleure performance. Plus tard, on est arrivé à devenir le champion olympique, le champion du monde, N fois et N positif, pour ne pas dire N supérieur à 15 ou à 20. Et c'est aussi un motif de satisfaction. Et à mes côtés aussi, une athlète que j'ai connue très jeune qui est devenue secrétaire d'État au sport. Et ça, ce n'est pas rien. C'est un regard de l'État vers les athlètes et vers le mouvement sportif national. Elle a succédé, bien sûr, à un ancien athlète aussi. C'est Mosley. Ça veut dire que l'État regarde vers les athlètes et vers les gens de l'ISTS. Parce qu'elle, elle est issue de cette institution. Et donc, en rencontrant aussi les docteurs d'État qui sont ici, le directeur, qui est un jeune directeur, tout juste 40 ans, et qui gère très bien, je constate, primairement que l'institution est en tant que bonne main. Et bien sûr, je me félicite d'être aux côtés du secrétaire général du comité olympique, que j'ai eu l'honneur de présider à un certain moment. J'avais 36 ans à cette époque, et donc on est tous réunis. J'aurais aimé voir beaucoup plus d'étudiants. Je pense que la communication n'a pas été... Parce que rencontrer des étudiants, c'est fort pour les gens qui interviennent et pour nous-mêmes. Nous aurons à discuter avec eux, à échanger et à peut-être parler de notre modeste expérience. Donc, je ne suis pas préparé. Peut-être que Swakri va parler mieux que moi et plus que moi. Hein, puisque certainement, elle s'est préparée. Et je lui passe directement la parole. السيدة المدرسة.
c'est une loisière, c'est une loisière. Trop n'est pas là-bas, on parle mal. Oui, c'est une loisière, je vais vous dire là. Et même là, il y a des clients, la duration de l'église, beaucoup de l'église. وهذه ما شاء الله التي تقوم بها المدرسة نشاطات علمية خاصة على مستوى المخابر لها من الأهمية في تطوير الحركة الرياضية الوطنية بشكل عام بكل تخصصاتها لأن البحث العلمي فيما يخص الرياضة لا بد أن يكون في بلادنا ولا بد أن يواكب كل التطورات الجارية في العالم لأن الرياضة ماهيش لعب كاين الرياضة الترفيهية نقدر نقولوا لها لعب لكن الرياضة الاحترافية فهي علم سواء من حيث التقنية أو من حيث البيولوجيا أو من حيث الوسائل إذن لكي تكون الحركة الرياضية تاعنا تواكب ما يجري من التطورات في العالم لابد أن يكون عندنا نخبة علمية هي تكون بمثابة الجسر بين البحث العلمي وما يجري في العالم و الرياضيين والمسيرين الرياضيين لأن كل النتائج مرتبطة بهذه الوسائل c'est-à-dire il faut qu'il y ait une cohésion dans la mise en œuvre des moyens tous les moyens pour arriver à un résultat qui est un champion que ce soit au niveau national ou au niveau africain ou au niveau international. Donc c'est tout un programme, c'est tout un effort des institutions de l'État à tous les niveaux pour arriver à ce résultat. Et des champions qui sont parmi nous dans cette salle, et je cite particulièrement Madame la Ministre, les chafettes. الألوان الوطنية في مرحلة حساسة من تاريخ بلادنا هذه مفخرة للبلاد ووصلت إلى قمة المسؤولية على مستوى قطاع الشباب والرياضة وهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة العزيمة والعزيمة لابد أن تكون عزيمة وهذه العزيمة مرتبطة بتاريخ الجزائر مرتبطة بقيم الجزائر مرتبطة بفخرنا بانتمائنا إلى هذه البلاد وشبابنا الله يبارك يرون هنا يعني معنا لابد أن يفكروا بأن ليس هناك نتائج بدون تضحية التضحية بالوقت بالمجهود والعمل العمل ونكون إن شاء الله في المستوى الجيل القديم سيسلم يعني هذه القيم هذا الروح هذه سيسلم هذا الجيل الجديد الشباب يوم الشباب والحمد لله الشباب تاعنا واعي لكن الظروف الحالية على المستوى العالمي صعبة جدا وبالتالي يجب على الشباب تاعنا يتحلاو بالروح النقدية في سبري كريتيك نو جون سون ليبر دو فير سو كيل فول مي كونسيون افيك ان سبري كريتيك باسكو كون اون ان سبري كريتيك رانا مسلحين اذا اتمنى هذا اليوم الدراسي النجاح وابلغ لكم تحية السيد وزير الشباب والرياضة والسيد الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة والسلام عليكم. Et
on va demander à Madame le ministre de nous faire un bref aperçu de toute sa carrière sportive. Et avant, je tiens à remercier la boîte pharmaceutique MacPharm qui nous a toujours accompagnés dans les événements que nous organisons au sein de cette école. Madame le ministre, à vous. سيد الوزير، السيد المدير مدير المؤسسة، السيد الأمين العام، السيد ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، mesdames et messieurs les professeurs، chers étudiants، chers athlètes ici présents. Techniciens et représentants des différentes fédérations sportives, honorable assistance, bonjour. D'abord, je suis très très honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour apporter ma petite contribution à cette journée scientifique qui parle du sport du combat. Sport de combat. Il m'est demandé aujourd'hui de parler de mon parcours sportif. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vais essayer de vous raconter cette belle aventure qu'a été ma carrière et ce que le sport de combat a pu apporter à ma vie. Donc, pourquoi le judo et comment c'est venu ma venue justement dans ce sport de combat? Alors, je suis née et grandi dans un quartier populaire et j'étais la seule fille parmi une fratrie de garçons. Donc, j'avais 5 garçons, mes aînés. Moi, je suis née numéro 6. Donc, j'ai grandi dans un milieu de garçons, j'allais dire. Et donc, en grandissant, j'ai remarqué que les garçons pouvaient tout faire et pas les filles. J'habitais un quartier très populaire où pratiquement tout était tabou pour les petites, enfin les filles et les femmes. Hein. Et donc j'avais tout de suite remarqué cette différence. Et donc mes frères pouvaient descendre dans le quartier, jouer au foot, jouer. Ouais, non, les filles, non, on n'avait pas le droit. J'habitais au 5e étage, on avait juste le droit de rester dans le hall et jouer à la poupée. Donc, mes frères ont émis le souhait de faire du judo. C'était en 1984. Et donc, on a parlé comme ça, en train de manger à table. Et ils ont demandé à mon père, justement, de les inscrire au judo. C'était la seule salle qui était à 10 km de là où notre maison. Et donc, mon père a dit tout de suite oui. J'étais tout de suite le oui. Voilà, comme ça, spontanément, j'ai dit, et moi aussi, je vais faire du judo. Alors, les regards qu'elle nous a envoyés, comment va faire le judo? Le judo, c'est un sport de garçon. Qu'est-ce que tu racontes? Donc c'était un nom catégorique. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là et je ne comprenais pas pourquoi justement je n'avais pas le droit de faire du judo. Sous prétexte que c'était un sport de garçon, mon père, du moins mon père pensait comme ça. Et je suppose aussi au niveau de mon quartier aussi. Donc, j'ai passé une nuit blanche à pleurer et je devais trouver une solution pour essayer de convaincre mon père, mes parents justement, à me faire inscrire dans le judo. Donc, un beau jour, il trouve mon père le jardin. Alors, j'étais dans une chambre, j'ai pris les ciseaux. Je me suis coupé les cheveux pour devenir Céline. Je voulais ressembler à mes frères qui avaient le droit de faire du judo et de faire c'est-à-dire les choses qu'ils voulaient. Donc je me suis dit,
Si c'est les cheveux qui font la différence, ben voilà, comme ton cas, et je me suis coupé les cheveux. Les trolls, mon père, ma mère aussi, c'était le choc total. Donc, avec cet acte-là, spontané et naïf, à l'époque j'avais 9 ans, à peine 9 ans, en 1984, avec cet acte-là, donc, j'ai pu le convaincre, mettre le tac. Il a beaucoup ri. Je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, traite mon aventure dans judo a commencé comme ça, dans le club Bojem Kikren, qui est donc qui a fait sortir beaucoup de champions. Je partais dans la salle à pied pratiquement, je faisais les 10 km avec mes frères. Et ben là, petit à petit, avant ça, qui traite la salle avec les petits garçons qui chèvrent à l'heure, elle va tout de suite abandonner, baisser les bras, parce qu'elle va recevoir la raclée de sa vie. Et c'est vrai, j'ai reçu la raclée de sa vie, de ma vie, avec ces garçons, parce que je tombais sèchement, je me relevais, je prenais des coups, etc. Mais j'aimais quand même cette discipline. Allez, pourquoi maintenant je le dis, mais c'est un sport de combat qui est fait aussi pour les filles. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'idées reçues sur les sports de combat. Moi, je pense que les sports de combat, c'est pas uniquement se bagarrer ou utiliser sa force pour gagner. Bien au contraire, pour gagner, il faut utiliser la force de l'adversaire. Du moins, c'est le principe du judo. Parce que le judo, c'est un sport japonais. Kalima fait à deux mots, ju et do. Donc ju, c'est la voix, et do, c'est la souplesse. Il faut utiliser donc, cette souplesse, cette agilité et surtout cette intelligence. Ça veut dire utiliser le minimum d'efforts pour le maximum de réussir. Donc voilà, c'était comme ça ma venue dans le judo. Par la suite, en 1990, j'ai été sélectionnée en équipe nationale. Ma venue en équipe nationale, elle a malheureusement coïncidé avec la décennie noire qu'a connue l'Algérie. Durant cette période, l'Algérie a connu des moments très très difficiles. Le sport, comme beaucoup d'autres domaines, a été aussi touché. À l'époque, beaucoup de clubs sportifs, par peur, par conviction, arrêtaient la section féminine. Pas tous, heureusement, mais beaucoup de clubs ont supprimé donc, la section féminine au sein de leur club. Je disais, par peur ou par conviction. À l'époque, je partais un jour à l'école, au lycée, ils avaient brûlé le lycée. Mais je trouve que le degré, on a droit à l'état des races à l'Ontario, alors on a bel comme le sport à l'époque et surtout pour les femmes. Donc, j'ai commencé en 1990, j'ai été sélectionnée en équipe nationale. D'ailleurs, monsieur le ministre, ici présent avec nous, était mon président de fédération à l'époque. Et donc, je rejoins cette équipe prestigieuse à l'âge de 15 ans. J'étais encore cadette. Alors, en 1992, j'ai connu le rêve olympique. Mais comme j'étais le rêve olympique, quelle joie! Quel plaisir d'y participer. Donc, à peine 17 ans, en 92, j'ai cette chance de participer aux Jeux Olympiques. C'est incroyable. À cette époque, on n'était que trois femmes porte-drapeau du sport féminin pour les Jeux Olympiques. Donc, il y avait moi en judo, il y avait Hasiba Boulmarka et Azizi Yasmina en athlétisme. Donc, on n'était que trois femmes dans une délégation constituée de 99% d'hommes.
Heureusement que les choses vont beaucoup mieux maintenant. Termine les éditions, il y a beaucoup plus de femmes qui représentent l'Algérie dans ces Jeux Olympiques. Donc voilà, d'avoir le plaisir de participer et l'honneur de participer aux Jeux Olympiques, j'ai obtenu une honorable 5e place tout en étant junior. Et j'avais raté la médaille de bronze par décision d'arbitre. Par décision d'arbitre. Heureusement, comme disait M. Ben, les règles ont changé par la suite. Allez, je perds en demi-finale contre la Française qui était championne olympique, Cécile Novak. Et donc je vais en finale de bronze contre la Cubaine. Et on fait un match nul. Un match nul. À l'époque, malheureusement, c'était aux arbitres de désigner le vainqueur. Ce qui n'est pas normal. Parce que si l'athlète, sa fédération avait de l'influence, c'est automatiquement l'autre athlète qui va gagner. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je perds cette médaille par la décision d'arbitre. Wahed Mdliliya, Wahed il a hésité, Wahed Mdliliya. Donc quand il a donné à la Cubaine, on est tombés toutes les deux. Parce que une médaille olympique à 17 ans, ça aurait été magnifique. Mais aussi une 5e place. Marhaba. Oui, par la suite, en 1993, j'ai dû aller au championnat du monde à Buenos Aires, au championnat du monde junior, et j'ai pu décrocher la première médaille mondiale pour le judo algérien. Ce fut un véritable honneur pour moi, parce que Kimay Kolo, Ftehna Lbab, il y avait tellement de grands champions, Khermeni, beaucoup mieux que moi. Mais il y avait des l'Oqda psychologie là, qui nous bloquait en fait. Donc, si vous voulez, avec la médaille, ça nous a un peu libérés. Moi et mes coéquipiers. Et mes coéquipières aussi. Donc voilà. Maintenant, les titres, c'est-à-dire ont commencé à succéder, alhamdoulilah, Wahid et l'Akhar. La même année, malheureusement en 1993, le 4 décembre, une nuit maudite, il y avait un groupe armé islamique qui est dit islamique, ça n'a rien à voir avec l'islam, plutôt terrorisme, terroriste, sont venus chez moi, ils ont pris mon frère policier qui avait 22 ans. Ils sont venus me chercher moi aussi, parce que j'étais une icône sportive, tout ce qu'ils détestaient. Il n'y avait pas que les sportifs de renommée qui étaient visés, il y avait les médecins, la cathédrale, les enseignants, les journalistes, tout ce bon monde, tout ce qui représentait la réussite à cette époque. Donc c'était des cibles à abattre. Justement, هذاك النهار, هذاك مكتوب رب العالمين, j'étais à la maison, mais vers 18h, j'avais des examens justement à l'école. Arrête, j'étais à l'internat pour réviser avec mes copines. Donc, هذاك النهار, vers 1h du matin, le groupe est venu, il a enlevé mon frère. Ciao. Il n'y avait que ma mère et mes frères. Docteur Boulbert, excusez-moi, là je suis émue de parler de ça, mais j'ai envie de vous raconter cette histoire pour vous dire combien le judo et ce sport de combat ce qui m'a apporté en fait. M'a apporté beaucoup. J'ai pu m'en sortir justement grâce à ce sport de combat. Parce qu'il m'a forgé le caractère, il a forgé ma personnalité, il m'a permis de sortir de ce drame ô combien difficile. Donc, Djem, on habitait au 5e étage. Le quartier de Kounasnoubi était le Kounou Kaboul à l'époque. Kaboul parce que c'était. Voilà. C'était.
يجيو يبداو يطبقوا في الباب à 1h du matin. Bien sûr, non, ma mère a demandé à mes frères et sœurs de ne pas ouvrir. Houa qui t'a mis qui me dit là, j'ai ils étaient tous cagoulés. Non, moi je dis, elle a eu un trafic, c'est des goulets, trafic. J'étais cagoulé quand même. Où j'ai dit, le frère de le voisin, il m'a dit, soit que l'autre. Alors, ma mère, خلاص, ils allaient partir. ومن بعد من سرد الموت سامير يفتح الباب فتح الباب عاودوا بداو يطلعوا يجروا دخلوا للدار ايزون بخي ماما ماما اون فرير وحبسوا وراه يسالي بهم ايزون شارشي في لي بياس ما كانش سالي ومن بعد ايزون ديسيدي دو بروندر مون فرير كي ايتي بوليسي كي ايتي فيزي اوسي براتيكمون يما تجبدو هما يجبدو pratiquement. Justement, je voulais faire un hommage à cette femme extraordinaire qui est ma maman et qui m'a inculqué beaucoup de courage. Elle a beaucoup souffert parce que depuis cet instant-là, elle est plus la maman que j'avais. Tatrufia Roja. Donc, qui est ma mère, si je peux être féminine, قالوا لها وكان ما تحبسيش دونك نبداو به ولادك الاخرين ونكملوا به مون فخير كي ايتي كوراجور ربي يرحمو شاف لو دونجي قال هاي ما نتقلقيش نروح نعاود نولي الوغ كي سافي بيرتينامون بلي سيتي اناليز من جوندو لا بلي حال جو في با ماتاردي ا سا باسكو سي با لو سوجي Mais d'abord mon frère, à pied, pieds nus, tel un cimetière qui était à pratiquement un kilomètre de chez nous, ils l'ont abattu. Rabbi Rahmou, il n'avait que 22 ans. Wallah, il allait, il avait. Rien, il ne faisait pas de mal à une mouche. C'est horrible. Il avait le sourire d'aimé sur le visage. Mais qu'adar Allah, ma chère frère. Heureusement qu'on a l'Islam, il est triyahna, nafsiya. On aime le qadar ou le qadar. Mais le qadar ou le qadar, non. Quand tu viens de l'Abdallah, Azzawaj. Mais quand tu viens de l'Abdallah, qui viennent t'arracher un être cher, comme ça, ça fait très très mal. Alors j'étais donc à l'école, dans la classe, qui traîne le directeur pour parler au professeur. Je dis que voilà, l'élève doit quitter, partir, parce qu'il y a eu un drame. Rien traîne le directeur, ça me fait que c'était pour moi. En fait, je me suis dit non, c'est rien, c'est juste un stage de l'équipe nationale. Mais finalement, le temps d'arriver à la maison, c'était un monde fou. J'avais même pas le droit d'assister aux obsèques parce que j'avais pas le droit, j'étais aussi visée. Et j'ai pu passer la nuit chez moi. J'ai fui pratiquement le foyer familial depuis ce jour. Donc je dormais dans un hôtel ou là, chez des amis, mais j'avais deux choix, soit de baisser les bras, d'arrêter ce combat, qui était un combat sur le tapis, un combat dehors des tapis de judo, soit de continuer de se battre, d'aller de l'avant, de représenter l'Algérie malgré cette situation sécuritaire difficile. J'ai choisi la deuxième option, parce que j'avais ce devoir, c'était une responsabilité. Et aussi pour la mémoire de mon frère Pierre. Aussi pour ma femme, aussi pour l'Algérie à cette époque. Parce que, avec les moments, à la télé, on voyait que des massacres. Donc nos exploits sportifs redonnaient de l'espoir à toute une population. Les exploits sportifs de Boulmarka, de Morsi à l'époque, de beaucoup d'autres, tous mes. Mais avec les exploits sportifs,
redonner de l'espoir à toute une population. Donc, le devoir que j'avais, c'était de continuer justement. Mais c'était très très difficile. Je souffrais le martyre. Et je suis passée par une vraie dépression nerveuse. Et je ne me suis même pas rendu compte que c'était une dépression. C'est trop nébulaire. Mes jambes tremblaient comme ça. Quelle utresse ou le bureau. J'étais terrorisée. Terrorisée de peur. J'avais peur. Et c'était ça leur objectif, justement terroriser la population. Donc, madame coach, je faisais le peu de temps les coups de l'autre de savoir, je faisais le même cauchemar. Le lendemain, je devais me réveiller tôt pour aller à l'entraînement, assurer l'entraînement. C'était important. Donc, l'entraînement. J'ai mis le judo, ce qui m'a apporté. C'était vraiment un échappatoire. C'était une thérapie pour l'espagnol. Quand on a quitté le tapis de judo, subhanallah, il y a eu un khouf. La terreur que j'avais, dès que je suis en kimono sur le tapis, khlas, c'est une autre série. Donc, le judo m'a permis justement de m'en sortir sur le plan psychologique. M'a permis d'être plus forte sur le plan psychologique. M'a permis d'aller de l'avant, d'aller chercher mon rêve, qui était la médaille mondiale et olympique. Donc voilà. Donc par la suite, en 2002, je suis devenue prestigieux de Paris-Bercy, qui est un grand chelem. Qui m'a le Roland Garros au tennis. Vous m'avez le Roland Garros, puis le judo, maintenant le Paris-Bercy. Quand on a l'autre, j'étais toute jeune avec monsieur le ministre, il dit on a le tournoi de Paris. On ne passait pas un tour. Ni Anna, ni Kiko Wikipédia, ni les autres Africains. C'est, le niveau est tellement haut que bon. Premier tour, retour dans Paris. Avec là, j'ai décidé dans ma tête, c'est très important, l'aspect psychologique. J'ai décidé dans ma tête, c'était l'année où je devais être sur la plus haute marche du podium, le prestigieux Grand Chelem. Rapidement, j'ai dit le combat, premier, deuxième, troisième, quatrième, hop! J'arrive en finale contre une Française à Bercy. Imaginez, Bercy, c'est la deuxième plus grande salle au monde, de par sa superficie, sa capacité. Donc, 30 000 spectateurs, tous venus supporter la Française. Mais je ne sais pas qui y a la catégorie, les Français en général. Mais bon, comme j'étais en finale contre la Française, voilà. Et donc, Bernara, elle était vice-championne du monde, mais moi j'étais décidée. Je n'étais pas vice-championne du monde, mais j'étais décidée, plus décidée que jamais, à remporter l'or. Alhamdulillah, Qassaman avait bien retenti à Bercy, à Paris, en France. C'était une victoire extraordinaire. Je ne sais pas si la fierté sur la plus haute marche du podium, puis Paris, Bercy. Incroyable. C'était vraiment une revanche. Et puis là, je me suis remémorée avec l'instant d'attache. Allez, je me suis dit, ça valait vraiment la peine finalement. Et donc voilà, par la suite, j'ai continué donc, mes exploits. Il y avait une fois, je vais vous dire rapidement, un des tournois aussi en Italie, Rihanna à l'époque, et qui a fait le il n'y avait pas. Mais quand j'ai ni l'hymne national algérien, ni le drapeau. Ben, je me demande, je me sers. Attendez, tu peux m'amener juste le radia. Depuis qu'on m'a rien, Hadaya, j'ai beaucoup lié à l'équipe nationale pour préparer les championnats d'Afrique en France. J'ai beaucoup lié à le
présent qui m'est très très cher. C'est un cadeau qui m'est envoyé par la Fédération française de judo et qui illustre donc les 50 années du tournoi Grand Chelem et Plaque Goumane. Voilà. Il est là. Alors, où je fais une dernière, je dis pas quoi, madame Rika. Donc voilà, c'est le livre à l'intérieur. Donc, Hadia, c'est quoi? Ah, si vous arrivez à voir là-bas, je ne sais pas. C'est bon, vous non. Allez, vous êtes en train de voir Akaya. Donc, là, c'est le tournoi de Paris, la victoire. Et là, premier titre pour le continent africain. Donc, finalement, être le titre, c'était devenir le premier titre du continent africain. Et j'ai le premier titre pour l'Algérie, finalement. Le premier titre pour le continent africain. Et donc, un honneur et un plaisir d'ouvrir, si vous voulez, le bas et la porte. Heureusement, comme ben, derrière, il y a eu, alhamdoulilah, beaucoup d'autres Africains qui ont pu accéder à ce podium. Depuis, j'ai pris goût et je ne suis plus descendue de ce prestigieux podium. Donc, médaille d'or, médaille bronze, combat, c'était la blessure. Et c'est là que je veux narrochia à la blessure pour abréger. Donc, les blessures, ça fait partie d'une carrière sportive. Beaucoup d'athlètes. Donc, quand les blessures, malheureusement, je n'ai pas été trop chanceuse par les blessures. J'ai été 6 fois opérée. D'ailleurs, au niveau de parce que là, maintenant, on va directement le Benakman, j'ai une opération à faire. Maintenant, je dois me faire opérer du genou, qui a été déjà opéré 3 fois. Allez, c'est la 4e fois. C'est ça, le sport de haut niveau. C'est aussi, il faut accepter aussi ces blessures. Ou sinon, il faut juste les prendre en charge. Alors, l'erreur que j'ai faite, c'était justement ne pas écouter mon corps. Qui a dit rien, ma bouche ne se qui a mis des SOS, ma bouche ne se va. Et c'était une erreur. Parce que j'aurais pu peut-être faire une meilleure carrière, mais ces blessures à répétition m'ont beaucoup retardé dans mon élan. Voilà. Donc, combat, mon Lara, 4 Jeux Olympiques et 12 sacres africains, médaille d'or, on est là, la médaille d'or aux Jeux méditerranéens. إن شاء الله نحن على أبواب الألعاب البحر الأبيض المتوسط إن شاء الله نتمنى نجاح المنتخبات. et puis من بعد par la suite la fin de carrière en 2008 مور لا فين كارير سي لو لا لافنتور دو ميتي دونترينور. J'ai été ils m'ont donné ce savoir et cette, parce que j'avais l'expérience. Donc maintenant, il me fallait la théorie, il me fallait les diplômes, il me fallait. C'est pour ça que j'incite tous les athlètes d'élite à faire des études en sport. C'est très important. Elle est pour pouvoir apporter une bêta, plutôt transmettre ce savoir-faire à d'autres générations. C'est très important. Donc voilà, l'expérience, les études m'ont permis d'accéder au métier de coach. J'ai commencé par toutes les étapes. Je suis passée par toutes les étapes. Dites-moi une petite catégorie. On m'a dit, en tant qu'adjoint de M. Idir au GSP, j'étais adjoint, j'ai accepté. Et ils ont mis, dans le cas des entraîneurs, mais ils m'ont empêché de mettre adjoint. Il y a un problème. Il y a un adjoint, on est petite, pour mon bac, je suis devenue par la suite coach de l'équipe nationale féminine. Alhamdoulilah, on a réalisé de très très bons résultats. Moraha, une autre envie de vivre quelque chose d'autre. J'ai un peu quitté le judo, mais brièvement, pour aller sentir d'autres sensations. Donc j'ai goûté
au métier d'audiovisuel. C'était un challenge de Nesbalia et je voulais... Classe. Donc, c'est pour vous dire, allez, j'ai un challenge. Parce que la volonté de toujours réussir, c'est justement ce sport de combat qui est le judo qui m'a inculqué ces valeurs de toujours vouloir se surpasser, croire en ses rêves, se faire confiance et travailler beaucoup surtout. Un problème d'ijtihad. Mais qu'est-ce que j'ai d'ijtihad? Mais avec Allah Azza wa Jal. Donc voilà, par la suite, nommé par le président de la République, secrétaire d'État chargé du sport d'élite, alhamdoulilah, ce fut un plaisir et un honneur, parce que je représente aussi les athlètes et la famille sportive. Donc voilà, et puis là maintenant, je suis devenue membre de l'exécutif de la Fédération internationale de judo, chargée donc directrice du sport et aussi membre de la commission de l'équité au sein de cette instance internationale. C'est très important que les Algériens maintenant accèdent à ces instances sportives internationales. Il est vraiment temps. On a le potentiel, on a le niveau, on a tout ce qu'il faut pour accéder à ces postes, pour pouvoir apporter un plus au sport algérien. C'est vraiment très important. Maintenant, j'allais vous faire vraiment deux, trois recommandations. Je vous dis, madame, à la veine, et puis, pour vous, Tréa, madame, juste deux, trois recommandations. En tant que femme, c'est aussi une vie familiale, c'est très important. En 2010, je me suis mariée avec Kamla Abelkoum, donc l'international télévillain, et on a eu une petite princesse qui est mariée en 2013, qui a maintenant 9 ans, et c'est la plus belle de mes médailles, ma fille. Donc voilà, malgré que je suis une femme, je reste une femme, et c'est aussi une mission très très belle que d'être une femme et de fonder un peuple. Voilà. En tout cas, Marie, j'ai des recommandations, je vais le site. تاع الاستديو حبيت نزيد نهضر بزاف امور معليش vous avez j'ai pu faire tout ça à travers mon livre qui est Salim Aswa Cri ceinture noire et un cœur blanc. Il est partout dans les librairies. Vous allez découvrir un petit peu ma modeste carrière et voilà. Merci beaucoup pour votre aide. On a été très touchés par vos propos, surtout les propos au moment de la décennie noire, et bravo. Là, je vais, avant de vous laisser partir, on va vous honorer quand même. Je demande à monsieur le ministre, Cédric Lebib, et à monsieur Idir, de bien vouloir remettre le document à notre champion. Tâche qui n'est pas facile car
chaque sport de combat a ses propres blessures et a ses propres contraintes techniques qui induisent certaines blessures. J'ai essayé de faire une synthèse un petit peu concernant un petit peu tous les sports de combat, concernant donc les blessures aiguës et les blessures chroniques. Donc on va parler de quelques chiffres juste pour savoir dans le monde ce qui se fait par rapport aux études qui ont été publiées. On va essayer de faire une revue des principales blessures, parce que les blessures dans les sports de combat, c'est toutes les blessures sportives. On ne pourra jamais donc faire la revue de toutes les blessures, mais j'ai choisi celles qui sont les plus fréquentes. On dira un mot également sur les pathologies de sursollicitation, qui sont les pathologies en fait qui sont dues à des problèmes techniques, qui sont dues à un surentraînement ou qui sont dues à une sursollicitation, donc des articulations, des muscles ou des tendons. On pourrait appeler ça les technopathies, les pathologies dues à la technique sportive. Enfin, on terminera par la prophylaxie. La prophylaxie, c'est un terme médical qui veut dire la prévention. C'est un chapitre qui est très important parce que la blessure, une fois qu'elle est là, elle va obligatoirement engendrer des retards pour la compétition, pour les entraînements. Donc la meilleure solution, c'est de prévenir l'arrivée de ces blessures. Donc les sports de combat sont considérés comme des sports violents, entre guillemets. Donc il y a beaucoup d'impacts, de chutes et de contraintes articulaires. Il existe deux catégories, comme ça, grosso modo, on peut parler de deux catégories, des sports de percussion et des sports de préhension. Les sports de percussion, c'est là où on tape, voilà, la boxe, karaté, aussi. Les sports de préhension, où il y a vraiment c'est la préhension, c'est de prendre son adversaire qui prend plus d'importance. Pourquoi c'est important de faire cette différence? Parce que les blessures vont être différentes. Les technopathies, donc les blessures chroniques, vont être différentes, et même les blessures aiguës vont être différentes. On a un profil épidémiologique qui est différent dans ces deux cas de figure. Évidemment, il existe le MMA, qui est un nouveau sport qui fait fureur ces dernières années, qui combine un petit peu les deux. Donc, pourquoi parlons-nous de cette question? Pourquoi c'est important de connaître les blessures? C'est pour pouvoir les combattre et les mettre KO, tout simplement. Alors, je vous présente une partie des résultats d'une étude canadienne qui a été faite. C'est une très très grande cohorte. Ça concerne pratiquement vraiment des milliers de sportifs. C'est l'Institut national de santé publique du Québec qui a réalisé cette étude. Donc, c'était une étude prospective sur une année. Ils ont publié les résultats. Et ce que vous voyez en rouge, c'est les sports qui sont les plus pourvoyeurs de blessures. Vous voyez là donc le hockey sur glace, la gymnastique, les sports de combat et le football. Ce qu'ils appellent football, c'est le football américain, hein, c'est pas le soccer, c'est pas le football qui est classé uniquement en bleu. Donc ici, ce que ressort de cette étude, c'est que ces sports-là sont les sports les plus pourvoyeurs de blessures. Il y a une étude australienne également qui est assez intéressante. En fait, cette étude-là, c'est une méta-analyse. Qu'est-ce que c'est une méta-analyse? C'est une étude qui étudie les études. Elle regroupe les études et on fait des tableaux pour faire un petit peu une comparaison entre ces différentes études. Donc, cette étude a porté sur plusieurs sports de combat, donc le MMA, la boxe, le karaté, le kickboxing, le taekwondo. Donc, tout ça, c'est des sports donc de percussion. Et un sport de préhension qui est le judo. Vous allez remarquer ici, pour l'épidémiologie donc des blessures, regardons bien là les petits cercles. Ces cercles-là, c'est vraiment les méta-analyses qui ont été mis à ce niveau-là. Vous allez voir qu'on a entre 200 et 250 blessures pour chaque 1000 athlètes. Donc le MMA domine le tableau des pourvoyeurs de blessures pour les sports de combat. C'est un sport qui est quand même assez violent et il domine. Donc l'incidence des blessures pour le MMA est très importante. Elle est pratiquement donc, entre 200 et 250 pour chaque 1000 athlètes. Concernant le taekwondo ou le judo, on voit que les blessures sont beaucoup moins. Elles sont inférieures à 100, même parfois à 50, concernant chaque 1000 athlètes. Donc, par rapport à qu'est-ce qui est blessé?
qui est sombre, c'est les blessures de la tête. Quand je dis tête, c'est-à-dire tout ce qui est blessures oculaires, blessures faciales et tout. Hein. C'est toute la tête, les commotions cérébrales, etc. Encore une fois, les sports de percussion sont dominants. On a le MMA, la boxe, le karaté, le kickboxing, même le taekwondo, tous les sports de percussion ont beaucoup de lésions au niveau de la tête. Par rapport au judo, qui est un sport de préhension, ça va plus être des lésions au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs. Donc là, on en déduit que, vous voyez, la physiopathologie est différente. On a des sports de percussion et des sports de préhension. Les sports de percussion, c'est taper dessus, donc on a beaucoup de lésions au niveau de la tête. Les sports de préhension, on prend notre adversaire, donc on a plus de lésions au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Donc, en fonction de l'art qu'on va pratiquer, on aura plusieurs types de blessures. Encore une fois, je reviens à la même notion. Les sports de percussion, j'aurai beaucoup de contusions et de coupures. Vous voyez, c'est bleu et bleu ciel pour les MMA, boxe, karaté, kickboxing et taekwondo. C'est vraiment des lésions de coupures et de contusions parce qu'on se fait taper dessus. Pour le judo, qui est un sport de préhension, on aura beaucoup plus d'entorses, d'élongations, et bien évidemment, parfois quelques fractures. Donc, c'est les lésions des membres supérieurs et inférieurs. Il y a une étude française qui a été lancée par la Fédération française de judo, qui est très intéressante, c'est pour ça que j'ai tenu à vous la présenter. Donc, c'est une étude prospective qui a été faite pratiquement plus de 10 années, de 93 à pratiquement. Bon, c'était vraiment une montre qui a été très importante et très longue. Ils ont pris beaucoup de compétitions, ils ont fait deux groupes. Il y a le groupe R et le groupe N. Le groupe N, c'est les nationaux, c'est-à-dire c'est les athlètes qui participent aux compétitions nationales et internationales, c'est le niveau élevé. Et puis le groupe R, c'est les compétitions régionales. Donc c'est un groupe un petit peu question performance qui est un petit peu plus bas. Donc là, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de lésions chez les femmes que chez les hommes. On a un ratio donc, qui est pratiquement à 1,33% par rapport à 1% pour les hommes. Pour l'âge, la prédominance se trouve chez les juniors et les seniors. Ils se blessent beaucoup plus que les cadets et beaucoup plus que les vétérans, évidemment, parce qu'il y a une charge d'entraînement qui est importante. Évidemment, le groupe M national se blessera plus que le groupe R. Concernant le type de blessure, on revient toujours sur la même idée. Le judo, les blessures les plus importantes sont les entorses, les fractures et les luxations. Donc, membre supérieur et membre inférieur, parce que c'est un sport de préhension. Alors, bon, on est ressorti avec une petite idée qu'on a deux types de sports avec des lésions qui sont un petit peu différentes. On va commencer la revue des principales blessures. Je ne pourrai pas faire l'inventaire complet de toutes les blessures parce que c'est, voilà, on manque de temps, ça ne sera pas possible de faire tout ça. Donc j'en ai choisi quelques-unes comme ça, les plus fréquentes, parfois même les plus impressionnantes. Les blessures à la tête, donc on a les traumatismes oculaires, qui sont toujours très impressionnants, c'est quand même des images qui sont un peu assez agressives. Les fractures du nez, les fractures des maxillaires, les plaies, on a très souvent des plaies pour la boxe, on a des MMA, on a très très souvent des plaies au visage. Les oreilles en chou-fleur. Alors les oreilles en chou-fleur, en fait, c'est pas une lésion aiguë, mais plutôt chronique, elle est due donc à l'accumulation de plusieurs hématomes au niveau du cartilage de l'oreille. Et il va y avoir ce qu'on appelle une chondrite, une inflammation du cartilage de l'oreille, qui est due justement à l'accumulation de ces hématomes lorsqu'ils ne sont pas ponctionnés à temps. J'ai lu quelque part que dans la culture japonaise, les oreilles en chou-fleur sont bien vues. J'ai lu qu'on disait que c'est les personnes qui maîtrisent le rat qui ont leur... voilà, les oreilles en chou-fleur, je ne sais pas si les techniciens ici pourront confirmer, c'est ce que j'ai lu. Il paraît que chez les Japonais, c'est un honneur d'avoir ces oreilles en chou-fleur. Les commotions cérébrales. Alors, la commotion cérébrale, c'est un cas qui est très très particulier parce que c'est une blessure qui peut être très très grave. Donc, elle est à l'origine d'un dysfonctionnement cérébral qui est transitoire. Elle fait suite à un choc qui est transmis au cerveau. Comme vous le savez, le cerveau baigne à l'intérieur donc, du crâne. Il baigne dans du SCR, donc du liquide céphalo-rachidien. Lorsqu'on reçoit un choc très important, que la tête chute sur le sol, ou alors qu'on reçoit un choc pendant un match de boxe par exemple, un combat de boxe,
Donc là, le cerveau va être écrasé contre la paroi interne du crâne. On pourra avoir des degrés différents donc de lésions au niveau de ce cerveau-là. On aura des fois une perte de connaissance qui peut être brève, qui peut être longue, et les conséquences de cette commotion cérébrale peuvent être dangereuses. Donc là, la conduite à tenir, j'insiste, messieurs, s'il y a parmi nous des entraîneurs, j'insiste que la conduite à tenir reste strictement médicale. C'est au médecin de décider est-ce que l'athlète peut reprendre son activité à son réveil, ou est-ce qu'il doit s'arrêter et faire des examens complémentaires, même par rapport à la reprise plus tard. La conduite à tenir est très bien codifiée et ce n'est qu'au médecin de décider à cette conduite à tenir. Il ne faut pas mettre de pression par rapport à ça parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques. On va passer aux membres. Donc je n'ai fait que la tête et les membres, hein, parce que s'il fallait passer par le tronc, le rachis, ça allait prendre vraiment beaucoup de temps, donc j'ai essayé de prendre juste quelques exemples. Alors, on a les fractures, tous les types de fractures, qu'elles soient ouvertes ou fermées, qu'elles aient un trait droit ou qu'elles aient un trait spiroïde, qu'elles soient compliquées, tous les types de fractures. Donc, les entorses, qu'elles soient bénignes ou malignes, les luxations, les lésions musculaires et les ruptures tendineuses. Vous voyez là un exemple de luxation de l'articulation métatarsophalangienne, du gros pouce, c'est du gros orteil, pardon, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Bon, pas la luxation, ça c'est le. Chose de très grave, mais l'entorse au niveau de cette articulation-là, c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans les sports de préhension, donc pour la lutte et pour le judo. C'est des inflammations et des étirements ligamentaires au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne. Ça, c'est l'extrême de ce qui peut arriver. La luxation, c'est l'extrême de ce qui peut arriver, c'est la rupture ligamentaire. J'insiste sur un point, s'il vous plaît, lorsqu'il arrive une luxation, il ne faut pas la réduire sur place. Il y a des écoles qui disent qu'il faut réduire et à d'autres pas, mais en ce moment, on penche vraiment plus vers ne pas réduire. Il peut y avoir des lésions osseuses, il peut y avoir des lésions neurologiques qui risquent d'être aggravées par la réduction. On a tendance un petit peu à faire comme ça un geste d'urgence de réduire la luxation. C'est bien pour l'athlète parce que c'est fait à chaud, il n'aura pas mal plus tard. Mais s'il y a deux écoles, il y a des gens qui vous disent qu'il faut réduire rapidement pour ne pas qu'il y ait de lésions labrales ou de lésions ligamentaires prolongées. Et il y a des gens qui vous disent non, il ne faut surtout pas réduire avant de faire une radio. Mais les études en ce moment penchent plutôt vers ne pas réduire. Les entorses du genou, c'est quelque chose, je pense, dont tous les sportifs de combat ont souffert un jour ou l'autre, que ce soit bénin ou malin. Donc là, vous avez un genou, on a dans les ligaments périphériques, et des ligaments centraux, pivot-centrales. C'est ce qui assure la stabilité de notre genou, la stabilité passive du genou. Lorsqu'il y a une élongation du ligament collatéral médial, anciennement appelé LLI, on aura ce qu'on appelle une entorse bénigne. C'est la douleur qui survient comme ça à l'intérieur quand on a fait vraiment un faux mouvement. Quand c'est une portion comme ça importante, on a une douleur ici. Voilà, ça c'est une entorse bénigne, c'est gentil, ça guérit en 10 jours, 3 semaines au maximum. L'entorse de moyenne gravité, on aura une rupture de ce ligament collatéral médial. À ce moment-là, il faudra l'immobiliser un peu plus longtemps et surveiller l'athlète un peu plus longtemps avec arrêt sportif actif, évidemment. Et enfin, l'entorse grave. L'entorse grave, c'est lorsqu'il y a rupture du pivot central, du ligament croisé antérieur ou du ligament croisé postérieur, associé ou pas à une lésion du ligament collatéral médial. Il existe un cas extrême où c'est la rupture de tous les ligaments. Le ligament collatéral médial, le ligament collatéral latéral et le pivot central entier, le LCA et le LCP. C'est ce qui va vous donner la luxation du genou. C'est vraiment un événement qui est dramatique, la luxation du genou. Il y a quelques années, 3 ou 4 ans, j'ai vu un jeune judoka qui a fait une luxation du genou. Et je peux vous dire franchement que c'est quelque chose vraiment de dramatique parce que ça aurait pu être évité. Je veux vous raconter ça parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'était un jeune homme de 18-19 ans qui était à 130 kg. Et c'était pendant l'entraînement. Le sparring partenaire était beaucoup plus âgé que lui, évidemment un grand poids, voilà. Et ce jeune athlète n'avait pas la même expérience que cette personne ancienne qui avait plus peut-être de souplesse, peut-être de technique. Et il a fait
La luxation gléno-humérale, c'est la luxation de l'épaule. C'est communément appelée des boîtes. C'est quand vite les épaules, mais pas pour les athlètes. C'est bon, c'est un peu une spécificité des judokas, hein, c'est quelque chose qui arrive très souvent parce qu'il y a des chutes comme ça sur la paume de la main en extension et il y a des chutes également donc sur le coude, ce qui fait que donc la tête humérale va quitter la glène de l'omoplate et on aura une luxation. Je vous parlais justement de l'histoire de la réduction. Il y a beaucoup de techniciens, d'entraîneurs, même d'athlètes entre eux qui font la réduction. Je comprends, il y a une école qui dit qu'il faut réduire rapidement pour ne pas justement qu'il y ait installation de lésions labrales et de lésions ligamentaires. Mais le risque qu'il y ait des lésions neurologiques et le risque qu'il y ait des lésions osseuses qui seront aggravées par cette réduction intempestive, il faut vraiment peser le pour et le contre. Si un médecin est là et qu'il arrive à faire un diagnostic, parce qu'il y a un examen clinique, on peut faire à peu près un diagnostic, mais on n'a pas de certitude tant qu'on n'a pas de radio. Si c'est une personne qui a l'habitude de faire des luxations, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle une épaule instable, là, on réduit, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, très souvent, les athlètes la réduisent eux-mêmes, hein, ils ont une capacité à la réduire comme ça eux-mêmes. Ça ne pose pas de souci. Mais quand c'est le premier épisode, c'est un peu risqué d'aller réduire sur le terrain. Ça reste un peu risqué. Donc, on préfère évacuer très rapidement l'hôpital, faire une radio, vérifier qu'il n'y a pas de lésion neurologique ou vasculaire et procéder donc à la réduction. La dysfonction acromio-claviculaire, beaucoup de judokas ont cet aspect de touche de piano. Ce que vous voyez là pour l'épaule droite, c'est ce qu'on appelle un aspect de touche de piano. Beaucoup de judokas ont ça. Chez moi, à la consultation, très souvent, quand c'est des judokas comme ça, avec une longue carrière derrière eux, dès qu'ils ont un souci d'épaule, ils retirent leur pull et la touche de piano, elle est là. Parce que c'est des personnes qui font beaucoup de chutes sur le moignon de l'épaule et ils font ce qu'on appelle une dysjonction acromio-claviculaire. Vous avez là un petit schéma anatomique, juste pour avoir comme ça une petite idée de ce dont je parle. On a la tête humérale, on a la glène, il y a l'acromion et la coracoïde. Donc la clavicule est rattachée à l'acromion par trois ligaments. Il y a le ligament acromio-claviculaire, et ensuite, en bas, il y a la coracoïde. Elle est reliée à la clavicule par le ligament coraco-claviculaire et à l'acromion par le ligament coraco-acromial. Je sais que c'est un peu barbant, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a trois ligaments qui retiennent cette articulation. Si on rompt un seul ligament, ça sera un stade 1 qui va guérir en 10 jours sans souci. Si on rompt deux ligaments, il y aura une instabilité antéro-postérieure, c'est-à-dire on aura une clavicule qui bouge comme ça un peu en antéro-postérieure. Le stade 3, c'est la touche de piano. Là, c'est quand on rompt les trois ligaments. Notre clavicule est libre. Elle n'est plus retenue à notre épaule. Donc vous allez avoir une touche de piano. Donc votre clavicule sera vraiment comme une touche de piano. Vous pouvez faire ça. En principe, c'est un stade qui est chirurgical. Chez nous, on ne l'opère pas. C'est pas très méchant. Hein. Ça déséquilibre un petit peu la ceinture scapulaire pendant un temps. Ensuite, le corps s'adapte un petit peu. Et voilà, avec beaucoup de renforcement musculaire, ça rentre dans l'ordre sans souci. L'entorse métacarpopharyngienne du pouce, c'est une entorse également qui arrive beaucoup chez les sports de préhension. Chez les lutteurs, chez les judokas, ça arrive très très souvent qu'on fasse une entorse métacarpopharyngienne. Je vous ai montré tout à l'heure la luxation métatarso-pharyngienne qui était au niveau de l'orteil. Et là, c'est donc l'entorse métacarpopharyngienne. On dit métacarpe pour les os de la main et métatarse pour les os du pied. Mais c'est un petit peu le même principe. Hein. C'est une question de pression et c'est une entorse qui arrive voilà, quand on met un peu trop de pression dans le mauvais sens. Les lésions musculaires, alors on a des lésions musculaires extrinsèques et intrinsèques. Parmi les sports de combat, les gens qui font le plus de lésions musculaires, c'est les karatékas. Bon, ça ressort dans les études et également à la consultation. On remarque que c'est vraiment les gens qui font du karaté qui font le plus de lésions musculaires. Vous avez les lésions musculaires extrinsèques, ça veut dire qu'elles viennent de dehors. Là, on a une notion d'écrasement. C'est l'adversaire qui vient écraser l'athlète avec son pied. Et là, vous avez une rupture, comme vous le voyez sur l'image échographique en bas. Vous avez donc une rupture du droit antérieur du fémur avec un hématome. Les lésions intrinsèques, c'est une lésion que va se faire l'athlète lui-même, tout seul. Lorsqu'il fait donc un étirement excessif,
Je suis navrée, je n'ai pas trop de culture karaté, je ne sais pas comment s'appelle ce geste, si quelqu'un peut m'apprendre. Pardon ? Maïkiri. Ok. Donc en faisant maïkiri, c'est ça avec un rêve. Ok. Donc en exécutant ce geste qui est un étirement excessif, lorsqu'on est mal échauffé ou lorsqu'on est déshydraté, parfois ça provoque donc des lésions au niveau des ischio-jambiers. Vous avez là, attendez, je vais essayer de vous expliquer un petit peu juste pour avoir une idée, quand ça conduira une blessure, vous saurez à peu près ce qui se passe. Là, c'est une image qui est normale. Vous avez ici, c'est le muscle ischio-jambier, c'est le biceps fémoral. On a le long biceps qui est là, le court biceps qui est là, et une aponéphrose qui est ici, avec une zone T, comme vous le voyez ici. Lors de la rupture, cette zone T va se rompre ici, elle est rompue, et vous voyez une petite hématome. Il y a une désinsertion myo-aponéphrotique du court biceps, le long biceps également est un petit peu touché, mais là vous avez vraiment cette aponéphrose en T qui est rompue et qui laisse place à un hématome. Ça, c'est ce qu'on appelle une lésion musculaire, désinsertion myo-aponéphrotique de grade 3. D'accord ? C'est important d'avoir une culture par rapport aux lésions musculaires. Pourquoi ? Parce que, quand vous savez, ça c'est une déchirure, communément appelée déchirure. Il existe des déchirures sans hématome. C'est pas parce que vous n'avez pas un hématome que c'est pas une déchirure. Les stades, élongation, contracture, déchirure, c'est quelque chose qui a un équivalent. Ça a un équivalent clinique et un équivalent échographique. C'est une classification. Donc, pour les lésions musculaires, il faut vraiment vous fier à votre médecin pour les délais de reprise. C'est très très important de respecter les délais de reprise, comme ça il n'y aura pas une récidive de ces lésions musculaires. Bon, pour les pathologies aiguës, j'en ai terminé, c'était vraiment très... j'ai essayé de résumer un petit peu, je ne peux pas tout faire, c'est déjà bien assez long comme ça. Pour les pathologies de sursollicitation, ça va être des articulations, des tendons, des muscles, d'une manière excessive, ou que la technique est mauvaise, ou que l'on a un trouble statique qui existe déjà avant, ou tout simplement, même s'il n'y a pas de trouble statique et que la technique est correcte, c'est des années et des années de pratique qui vont user nos articulations, qui vont user nos tendons ou nos muscles précocement. Là, vous avez par exemple, j'ai mis dans une image par rapport à la formation de l'arthrose, c'est le cartilage donc, du pontil fémoral qui va commencer un petit peu à être dégradé. Vous avez des stades, le grade 1, 2, 3 et 4. Très souvent, chez les athlètes qui font des sports de combat, même chez les footballeurs, hein, vétérans, même chez beaucoup d'athlètes, on retrouve des stades d'arthrose qui sont avancés très tôt, précocement. Vous aurez un athlète un vétéran qui a 55 ans, 60 ans, et qui a vraiment une arthrose très importante de stade 4, qui sera obligé d'avoir une prothèse totale du genou très jeune. C'est pas tous les athlètes qui vont développer ça. Il y a des gens qui ont des troubles statiques, il y a des gens qui ont des technopathies, et voilà, c'est pas tous les judokas, heureusement, tous les boxeurs ou tous les footballeurs qui vont avoir ça. C'est quelques personnes. Mais voilà, le sport a fait qu'ils ont aggravé cette pathologie préexistante. La tendinopathie donc de l'épaule, vous avez ici ce qu'on appelle l'espace sous-acromial. Vous avez la tête humérale, l'espace sous-acromial, c'est l'espace où glissent les tendons de la porte des rotateurs. Vous entendez très souvent le terme de tendinite de la porte des rotateurs. Ça se passe vraiment à ce niveau-là. Vous avez les tendons de la porte des rotateurs qui glissent ici. Lorsqu'on pratique un sport et que cet entraînement sportif renforce énormément les éleveurs de la tête humérale, il y a certains muscles qui élèvent la tête, il y a certains muscles qui la baissent. Les judokas, par exemple, comme ils font beaucoup de préhension, ils font beaucoup de mouvements d'élévation, ils vont développer les éleveurs de la tête humérale. Donc cet espace va être diminué et les tendons qui glissent dans cet espace vont être écrasés. Et à long terme, ça donnera des tendinopathies. Enfin, un petit mot pour les lésions neurologiques. Donc, j'ai mis la photo de Mohamed Ali, parce que voilà, il a fini avec un Parkinson. C'est quelque chose qui devrait arriver de moins en moins de nos jours, parce que maintenant la pratique de la boxe est assez cadrée, c'est très surveillé par les examens, par des IRM, par les examens neurologiques cliniques. Maintenant, c'est assez cadré, c'est-à-dire que les fédérations et les constances, toutes les fédérations de boxe ont pris devant
psychologique. Ne nous mentons pas, hein, ça reste un sport pour quelqu'un qui a des années de pratique derrière lui, quelqu'un qui a fait beaucoup de chaos, qui a fait beaucoup de commotions cérébrales, qui a fait... Ça reste un sport qui est dangereux sur le plan neurologique central. Il y a des syndromes donc extrapyramidaux, notamment le syndrome de Parkinson. Il y a des syndromes cérébelleux, qui sont des troubles de l'équilibre, c'est des gens qui perdent un petit peu l'équilibre. Il y a beaucoup de troubles de mémoire pour les boxeurs. Ils ont ce qu'on appelle des troubles de connectivité. Il y a des troubles, ils ont des soucis pour se rappeler certaines choses et tout. Et lorsqu'on fait des IRM chez eux, on retrouve comme ça des plaques, on retrouve des lésions. Donc c'est important de faire un suivi de ces gens-là. Pourquoi ? Dès qu'on a des lésions IRM inquiétantes, il faut que la personne s'arrête, tout simplement. Le suivi doit être là, c'est important. Donc un petit mot de physiologie, les sports de combat combinent les efforts dynamiques et statiques. On est bien d'accord. Il y a une sollicitation de toutes les filières énergétiques, la filière aérobie, la filière anaérobie. Donc l'aérobie pour l'endurance, pour la durée des combats et la répétition sur toute la journée. Effectivement, donc, les combats sont assez courts, mais ils se répètent. Donc c'est comme si que la personne faisait un marathon finalement. Puisque c'est comme, je peux affiner ça plus tard, comme des tractionnées si vous voulez. C'est intense et ça arrête un peu. Ensuite, intense et ça arrête un peu. Donc on a besoin d'endurance pour pouvoir justement pallier à tout ça. La force musculaire, que ce soit la puissance, la vitesse ou l'endurance, cette force musculaire est à son comble, à son maximum lors des phases d'attaque, mais également en phase de défense. Que ce soit pour la boxe, par exemple, ou pour le judo, ou pour la lutte, on reste dans des positions comme ça statiques assez longtemps. Ça dure quand même plusieurs secondes jusqu'à quelques minutes. On reste comme ça dans une position statique, et cette position statique, elle a besoin d'une force musculaire maximale pendant longtemps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner entre l'aérobie et l'anaérobie. Ce mot de physiologie, je le mets pour expliquer un petit peu ce dont on va parler dans quelques minutes. Alors, la descente au poids, ça c'est un sujet vraiment qui me tient très très à cœur parce que je pense que nos athlètes ont un réel problème de gestion de leur poids. C'est un enjeu majeur pour la plupart des sports de combat, c'est des sports donc, qui sont par catégorie de poids. On trouve des personnes qui ont un poids qui est un poids de croisière, un poids de forme qui est assez élevé et qui veulent absolument concourir dans des catégories qui sont très loin de leur poids de forme. On peut tolérer 5%, parce que tout le monde vous dit, par exemple, en judo, on s'entraîne à plus 5%. On s'entraîne en étant à un poids un peu plus élevé que sa catégorie. Et on va faire un amaigrissement les deux dernières semaines, les trois dernières semaines, mais pas plus, 5%, 6%. Voilà, c'est pas une personne qui va on n'a pas à diminuer 15, 17 kilos en 15 jours. Ça, c'est une aberration et c'est ce que font beaucoup de nos athlètes. Voilà, c'est quelque chose que je constate à ma consulte. Après les compétitions, c'est les lésions musculaires, c'est les lésions tendineuses, c'est les ruptures, c'est beaucoup de choses qui sont en rapport avec la déshydratation et avec vraiment un état musculaire qui est fatigué à cause donc de la déperdition calorique et surtout hydrique. Donc les méthodes pour cette perte de poids, c'est la restriction calorique stricte. C'est des gens qui n'ont plus rien mangé pendant la dernière semaine, une restriction hydrique également, et une perte d'eau active et passive. Perte d'eau active, c'est-à-dire qu'ils vont enfiler le fameux kawi, ne boire aucune goutte d'eau et se mettre à courir et transpirer. Donc ce qui va arriver, c'est qu'on aura une déshydratation très sévère. La personne ne boit pas et elle se fait et elle court pour faire une déperdition d'eau. En plus, ils peuvent s'y associer la perte d'eau passive. Les athlètes, parfois, boivent des substances diurétiques qui ne sont pas dopantes. Hein. Je ne parle pas des diurétiques dopants, hein, parce que quand on est en pleine compétition, il y a le risque de se faire choper. Mais il y a des tisanes qui sont diurétiques. Il y a des produits comme ça. On peut trouver des produits qui sont diurétiques, mais qui ne sont pas dopantes. Donc, les athlètes, restriction calorique très stricte, restriction hydrique très stricte et perte d'eau. Lorsqu'on se déshydrate énormément, si notre déshydratation dépasse 6% de la masse corporelle, ça sera impossible de récupérer cette déshydratation en une nuit. Pourquoi je parle d'une nuit? Parce qu'en général, la pesée, elle se fait la veille, parfois elle se fait la matinée même.
très cadré par les fédérations. C'est quelque chose qui est cadré, le port de gants, le port de masque, le port de protection, comme les protège-dents, comme voilà. De chaque sport a sa spécificité. Ça serait trop compliqué d'aller dans les moyens de protection pour chaque sport. Maintenant, par rapport à la qualité des tatamis, la qualité des rings, la qualité des terrains, c'est vraiment très important d'avoir une bonne qualité. Parce que les entorses de cheville arrivent très très souvent parce que les sols sont de mauvaise qualité. Non, je t'ai répondu. Alors, donc notre athlète, pour être au top de sa forme, pour ne pas se blesser, a besoin d'avoir une bonne santé générale, évidemment, une condition physique correcte, de la force, de la puissance et de l'endurance. Ce n'est pas parce qu'il fait un sport de combat qu'il ne doit pas avoir d'endurance. C'est très important de travailler l'endurance. Et c'est très important également de travailler le renforcement musculaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ne pas qu'il ait de tendinopathie d'épaule, par exemple, en plus de son activité, il devra absolument travailler les antagonistes, les éleveurs de la tête humérale, qui sont les abaisseurs de la tête humérale. Il faut faire un travail spécifique là-dessous. Donc, la souplesse et l'agilité et la prédisposition psychologique, évidemment, comme en parlait Madame Soigny il y a quelques minutes. Donc, par rapport à l'histoire du poids, c'est très important de savoir bien choisir sa catégorie de poids. Là, je m'adresse aux athlètes, mais plus aux entraîneurs. Je pense que c'est le rôle de l'entraîneur de choisir un petit peu la catégorie de poids de son athlète. C'est très important d'être dans la bonne catégorie. Et s'il faut changer de catégorie, il faut le savoir suffisamment à l'avance pour pouvoir faire éventuellement son régime alimentaire suffisamment à l'avance. On ne laisse pas les 3 dernières semaines, les 2 dernières semaines, et on se met à perdre 1 kg ou 1 kg et demi par jour. C'est une aberration. Donc, il faut savoir renoncer à une compétition si on est en retard et que la perte de poids n'est pas correcte. Alors, nos muscles ont évidemment besoin d'un bon apport glucidique et surtout d'un apport d'acides aminés, un apport protéique correct. Donc, les régimes très restrictifs, ce n'est pas une très bonne idée. Je vous ai mis cette phrase et je la répète encore, les sports et les régimes à répétition, ça ne fait pas le même âge. La santé physique est influencée par ces régimes à répétition et même la santé psychologique. L'athlète se trouve complètement affaibli. Il faut absolument avoir pour but la stabilité du schéma corporel. On tolère un entraînement à 22%, ça c'est vraiment à titre indicatif, hein, c'est pas des chiffres qui sont, voilà, c'est à titre indicatif. On peut tolérer des entraînements à 22% de masse grasse pour les dames, à 12% pour les hommes, c'est environ 5% de plus que le poids de compétition. Ça, on devra gérer ça le dernier mois, commencer un petit peu à gérer son régime alimentaire et diminuer un petit peu. L'idéal serait que la dernière semaine avant la compétition, on ait déjà le poids idéal. Comme ça, on est à l'aise, on mange correctement, on s'hydrate correctement pendant la dernière semaine. Donc, en conclusion, les sports de combat sont des sports relevant de beaucoup de travail et de discipline. Ils offrent beaucoup de rigueur, voilà. Je tenais justement à présenter mes respects, si je puis dire, à toutes les personnes qui sont dans le milieu, parce qu'en consultation, on voit des athlètes qui viennent de toutes les disciplines. Et les gens qui viennent des sports de combat, c'est des gens très disciplinés. C'est des gens qui sont... Ils ont une discipline. Ils sont déjà... Sans vouloir dénigrer aucune autre discipline. Hein, mais par comparaison aux autres disciplines, c'est des athlètes qui sont très disciplinés. C'est des athlètes qui sont... Je pense que c'est par rapport à la discipline aussi. Hein, c'est la discipline, la rigueur, elle doit promouvoir ce côté-là. Donc, il faudrait informer les pratiquants, informer les entraîneurs et toutes les personnes qui gravitent autour des athlètes. Mais ce qui est très important aussi, c'est de former le personnel soignant, les kinésithérapeutes, les médecins, toutes les personnes qui gravitent autour des athlètes. J'aimerais juste insister sur un point, s'il vous plaît, par rapport à l'information des athlètes. Quand vous voyez les athlètes internationaux, ils sont très au courant, vraiment. C'est des gens qui connaissent leur corps. Ils connaissent les tendons, les ligaments, ils connaissent... C'est des gens qui sont cultivés. C'est un plaisir d'avoir affaire à eux. Parce que c'est des personnes qui peuvent discuter à
produits qu'ils achètent n'importe où. Il faut vraiment que l'athlète, notre athlète, apprenne à se connaître, à connaître son corps, à écouter son corps et à discuter avec son entraîneur et avec son personnel soignant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Comment peut-on évaluer la maîtrise technique en sport de combat? À quel moment doit-on évaluer la maîtrise technique en sport de combat? La maîtrise technique est-elle conditionnée par la catégorie de poids? Est-ce que, en fonction de la catégorie de poids, la technique change? Ou bien est-ce que le poids conditionne la typologie ou bien le volume niveau de maîtrise technique? Bien, quelques définitions, ça rapporte que la technique se définit, selon la Cour, par la connaissance des actions nécessaires à la réalisation du résultat recherché. Finalement, la technique, ce sont les actions qu'on porte pour atteindre l'objectif, pour réaliser l'objectif. Il rajoute que, selon Albertini, le mouvement n'est plus considéré comme un objectif, mais comme un moyen permettant d'apporter une solution au problème posé par la résistance de l'adversaire. Finalement, toutes les techniques qu'on porte, parlons de sport, bien sûr, même du sport collectif, vous allez voir, ils font partie de la même chose. Toutes les techniques qu'on invente, qu'on adopte, ce sont des solutions aux problèmes que nous pose l'adversaire. Bruce, en cherchant à démontrer le caractère dynamique de l'aspect technique de la performance, affirme que les modifications des règlements qui sont à la fois cause et conséquence de cette évolution, montrent les relations étroites entre ces deux domaines. Donc entre l'arbitrage, les règles d'arbitrage, et la technique, il y a une corrélation directe. Parfois, c'est les règles qui forcent le changement de la technique. Parfois, l'arbitrage s'adapte aux techniques. Donc il y a une relation très étroite et très dynamique entre, d'ailleurs on a connu ça dans le judo, il y a eu des dizaines d'années, il y a une évolution conséquente dans les règles d'arbitrage,
qui ont fait que certains athlètes étaient obligés d'adopter des techniques très rodées, très efficaces, qu'ils étaient obligés de laisser de côté et se retrouvent du jour au lendemain dépourvus de certaines de leurs armes les plus efficaces, leurs armes techniques les plus efficaces. Je citerai la concurrence à son Hernandez qui avait un excellent ramassage avec lequel elle terrassait tout le monde, quel que soit, mais et que du jour au lendemain, la réglementation a changé et a interdit toutes les actions portées au-dessous du niveau de la ceinture. Donc, et ça a créé un petit handicap pour lequel elle était obligée de se recycler, de se réadapter. Donc, objectif du travail ici, donc on va resituer la place de la préparation technique dans les facteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, optimiser les proportions des contenus préparatoires de l'entraînement et notamment celui de la préparation technique, c'est-à-dire la proportion par rapport aux autres aspects préparatoires physiques, tactiques et psychologiques. Proposer enfin l'approche la plus pratique pour l'évaluation de la maîtrise technique dans les sports de combat. Alors voici le temple dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celui qui classe pratiquement le rôle de la technique dans tous les sports. Alors nous avons quatre catégories. Quatre catégories. Nous avons les sports de précision, tels que la gymnastique, le plongeon, le patinage, etc. Alors, la technique ici, c'est un déterminant de l'appréciation de la performance. La technique, c'est elle, la performance. En gymnastique, on note la technique. Donc, la technique, c'est la performance. Par contre, dans la deuxième catégorie, les sports de force-vitesse, haltérophilie, saut, lancer, etc. La technique ici est un facteur de développement maximal de la force. C'est-à-dire que la technique là est au service du développement d'une capacité de condition physique, qui est la force ou la force-vitesse, qui est le déterminant de la performance dans ces sports. Les sauts, les lancers, l'haltérophilie, le facteur principal, c'est la force-vitesse, évidemment, la force explosive. Et la technique, on travaille quand même la technique pour favoriser le développement de cette qualité, justement. Ensuite vient la troisième catégorie. C'est les sports d'endurance, les sports cycliques. À quoi sert la technique dans ces sports? On travaille bien la technique dans ces sports-là. Mais pourquoi? Tout simplement, les sports cycliques, c'est des courses à pied, natation, cyclisme, environnement, etc. Les sports cycliques, les gestes se répètent indéfiniment. Donc, ici, la technique, c'est un déterminant d'économie d'énergie motrice. On essaye de parfaire, d'optimiser, de parfaire la technique, le geste cyclique, pour dépenser le moins d'énergie possible pour pouvoir augmenter en puissance et dépasser son concurrent. C'est-à-dire toute l'économie d'énergie qu'on aura fait sur les différents cycles, on déploie dans la puissance pour dépasser son concurrent. Bien ensuite, quatrième groupe, c'est les sports de combat et les sports collectifs qui sont placés ensemble en matière de technique. En matière de place de la technique par rapport à la performance. Boxe, judo, lutte, escrime, bien sûr, et tous les sports collectifs. Alors ici, le rôle de la technique, c'est un déterminant du choix des différentes solutions motrices qu'adopte le technicien, le judoka, ou le combattant, en fonction des difficultés que nous pose l'adversaire pour arriver à les dribbles en football, les double seul, la passe, tous ces gestes techniques en réalité ils se sont imposés. Le droit, les percutes, le sautogarim, toutes ces techniques-là, ce sont des solutions motrices pour contourner la résistance de l'adversaire et le mettre et marquer son point et aller vers le résultat. Voici donc un mot exhaustif qui classe la place de la technique par rapport à la performance. En déduction, en première déduction, nous pouvons affirmer que U égale au niveau auquel est parvenu le développement physique dans toutes les catégories de sport, et notamment dans les sports de combat. L'intensification de l'entraînement technique et son perfectionnement seront sans doute dans l'avenir les moyens privilégiés pour améliorer encore la performance. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde arrive pratiquement au maximum. Tout le monde s'est optimisé, maximalisé son niveau de condition physique. Mais donc le seul ressort maintenant à améliorer encore sa performance pour dépasser, surpasser ses performances, c'est la maîtrise technique. La littérature nous propose plusieurs notes d'évaluation de la maîtrise technique en sport de combat. Ici, j'ai rapporté juste à titre indicatif trois modes.
qu'il y a alors le profil de Romier, parce que c'est la technique de Bayer, l'évaluation à ne pas lier de Schubert, le profil d'attaque du combattant de Janico. Et puis il y a celui que je recommande le plus, c'est ce dernier justement qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors, le profil d'attaque du combattant, que j'utilisais moi-même en tant que coach de judo, quand j'étais en fonction en qualité de coach, donc c'est ce système-là, ce mode d'évaluation que j'utilisais par rapport au fait qu'il était très pratique et très indicatif du niveau d'évolution de la maîtrise technique au fil des années de mes athlètes. En l'occurrence, Selima qui était ici, donc avait sa fiche technique, enfin, chacun des athlètes avait sa fiche technique avec tous les indicateurs que nous allons découvrir ensemble. Alors il s'agit d'un protocole d'expertise du profil d'attaque d'un judoka évoluant, enfin d'un judoka d'un sportif de combat. D'accord, excusez-moi, là, parce qu'il s'adapte parfaitement aux autres sports de combat. Nous avons vu que finalement, c'est par catégorie de sport, même pour les sports collectifs. Alors le dispositif en forme de cible, c'est-à-dire on peut le schématiser sous forme de plusieurs axes. Et chaque axe, c'est un indicateur, ou c'est un critère de maîtrise technique. Au avantage de relever un nombre d'informations considérables dans. Alors le premier indicateur de la maîtrise technique, c'est le nombre de techniques maîtrisées par le combattant, ce qui est un indicateur du volume technique. Le nombre de techniques que le combattant maîtrise réellement sur le tapis, sur le ring ou même sur le terrain, donc c'est un indicateur de volume technique. Donc un athlète peut maîtriser à partir de 1, 2, 3, 4, plus son niveau augmente, plus le volume technique augmente, il peut aller jusqu'à 10, 12, voire 15 techniques, selon mon expérience sur le terrain. La typologie des techniques utilisées, ce qui est un indicateur de la variabilité technique. C'est vrai que certains athlètes se penchent vers une certaine catégorie de techniques sur un groupe. En judo, il y a ce qu'on appelle les techniques d'épaule, les techniques de bras, les techniques de cyclisme, les anciens commis voisins, enfin, les immobilisations au sol, les armes lourdes, les étranglements. Ce sont des groupes de techniques. Donc, plus l'athlète varie, parce que d'un groupe de techniques à un autre, plus son répertoire technique fait appel à différents groupes de techniques, plus on considère que la variabilité technique de ce sportif est intéressante. Le type de points marqués, ça c'est l'efficacité technique. 3, 5, 7 ou 10, 10 points, plutôt bien en fait, ce qui est un indicateur d'efficacité technique et de rentabilité technique. Bien sûr, on peut maîtriser une technique, mais à des degrés moins. Pour certains, à un certain niveau, peut-être dans un premier niveau, la maîtrise de la technique n'est pas très au point. Ça nous permet de marquer des points, mais minimes. Mais par contre, ça peut aller jusqu'à marquer un point, le point maximal. Bon, d'accord. Et puis bon, ça se mesure autrement aussi. C'est le nombre de fois que je réussis. C'est le pourcentage de fois que je réussis par rapport au nombre de tentatives. Si je porte une technique sur 4-5 tentatives et que j'ai réussi une fois, c'est 1 sur 5, c'est du 20%. C'est une efficacité du 20%. Mais si je réussis, le maximum, c'est lorsque je réussis cette technique dès la première fois. Ça devient un paramètre d'efficacité. Bien sûr, il y a la direction de l'attaque, ce qui est un indicateur de bilatéralité. Dans la même technique, je peux la maîtriser à droite et à gauche, très rare. C'est très rare, mais ce n'est pas un indicateur il faut avoir des techniques à droite et à gauche, mais il ne faut pas, par rapport à ça, c'est un conseil à l'entraîneur, c'est que ce n'est pas nécessairement obligatoire de maîtriser la même technique à droite et à gauche. Il faut avoir des techniques à droite et d'autres à gauche, bien sûr, il faut s'adapter, bien sûr, à ses adversaires. De ses adversaires, c'est impératif de varier ces techniques entre le côté droit et gauche s'impose. D'ailleurs, la médaille olympique de 2009, les Jeux olympiques de 2008, c'était grâce à une technique à droite alors qu'il est gaucher. C'est ce qui l'a sauvé, c'est la médaille, c'est ce qui lui a permis
de marquer kataguruma à droite, c'est ça, si je... kataguruma à droite, alors qu'il ne faisait pas de technique gauche. Bon, cette technique de kataguruma, il a développé un entraînement avant, du club et en équipe nationale, mais il ne faisait pas, il ne faisait pas. Mais ce jour-là, étant donné avec le... c'était un Français, je crois, donc avec ce Français qui lui a complètement fermé les portes du côté gauche, il ne pouvait pas porter cette technique, mais lui restait la porte, le côté droit qui était ouvert, il a osé, il a porté sa technique de kataguruma, il a fini, il a basculé, et c'est comme ça qu'il a décroché sa médaille historique. Le volume technique, général et compétitif, c'est le nombre de techniques maîtrisées par le combattant comme indicateur du volume technique, qui peut être général ou compétitif. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, attention, je peux avoir un bon volume technique à l'entraînement, mais arrivé à la compétition, certaines techniques, je n'ai plus confiance en elles, donc je ne les porte pas. Donc entre le volume technique général d'entraînement et le volume technique de compétition, il y a vraiment une différence. Donc la variabilité technique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la typologie des techniques comme indicateur de la variabilité technique, alors qu'il peut être aussi général ou compétitif. Je peux porter des techniques différentes, de techniques. À l'entraînement, je suis très variable, mais à la compétition, je suis focalisé sur un groupe de techniques parce que je n'avais pas encore suffisamment rodé les autres groupes de techniques, parce que je manque encore d'entraînement et de potentiel technique. L'efficacité technique, donc c'est par rapport au point marqué, mais surtout par rapport à la rentabilité, au nombre de tentatives réussies sur le nombre de fois réussies par rapport au nombre de tentatives totales, qui est un indicateur d'efficacité technique. La direction de la gauche, ça on en a parlé déjà. Voici finalement un schéma, qui modélisant les différents penchants qu'on peut retrouver, différents athlètes qu'on peut retrouver sur le plan maîtrise technique. Je vous ai modélisé quatre types de combattants. Alors, quatre types d'athlètes. On voit en bleu quelqu'un qui a un volume réduit, par chaque axe, là, c'est dommage, c'est pas le l'axe ici n'apparaît pas. Comment il y a un axe de volume technique, axe de volume technique compétitif, volume technique général, volume technique compétitif, variabilité technique générale, variabilité technique compétitive et efficacité technique. Ce schéma montre un petit peu, vous voyez, en bleu, c'est le niveau de maîtrise très réduit, pas de volume technique, pas de variabilité, une efficacité même assez importante, mais quand même c'est limité. Le rouge un peu meilleur en volume et en variabilité. Le vert un peu plus en variabilité, moins en volume, ou moins en efficacité. Enfin, le violet, le dernier, type 4, celui qui a l'ensemble des indicateurs relevés. Bien sûr, c'est une modélisation théorique. C'est pour dire que finalement, il faut suivre ces athlètes sur ces quatre paramètres. Dommage, ils n'apparaissent pas sur. Ici, je les ai sur l'écran, mais là, ça n'apparaît pas. Donc, chacun des axes représente chacun des axes de la toile, cette toile technique, on appelle ça une toile technique. Donc, chacun des axes représente un des critères de maîtrise technique de la. Le fichier va trahir ici parce que. Alors, enfin, ceci est une. C'est le concentré d'une étude qui fait partie de ma thèse de doctorat où j'avais étudié la technique par rapport à la maîtrise à la condition physique. Mais là, je vous rapporte juste la maîtrise technique en fonction de la catégorie de poids chez deux groupes de niveaux de performance distincts. Nous avons à gauche. Pré-élite et l'élite. Là, c'est pour vous montrer comment est-ce que lorsqu'on passe du pré-élite, ce sont des athlètes, des combattants déjà confirmés, ils sont confirmés d'un certain niveau, mais qui ne sont pas vraiment dans le top. Donc, lorsqu'on est en pré-élite, on voit que les niveaux entre les différentes catégories de poids. Là, les trois barres, chaque catégorie de poids, ce sont les différentes catégories de poids, C1, C2, C3. Donc, les légers, les moyens, les lourds, bien sûr. Il y a sept catégories plusieurs catégories de poids, mais là, j'ai rassemblé en trois grandes catégories, les légers, les moyens et les lourds. Et on voit que la disparité
enfin la différence entre les différentes catégories de poids en termes de maîtrise technique n'est pas très perceptible. Par contre, avec l'augmentation du niveau, on voit que finalement, la catégorie de poids, avec la catégorie, il y a des disparités, il y a des différences qui apparaissent. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, docteur Idir. Après la technique, la tactique, la performance est sujette à la préparation psychologique. Donc j'appelle le professeur Bohas pour nous parler de l'aspect psychologique des sports de combat. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les membres du labo, M. Moukhova et M. Idir, qui m'ont invité à cette journée scientifique. Et après avoir écouté avec patience le docteur Hilaoui et le docteur Idir, l'un sur les blessures côté physique, l'autre sur le côté technique, vous allez vous dire que c'est vrai que psychologue, je vais parler du côté psychologique, et c'est vrai, parce que c'est une partie importante de la vie de tout sportif, et c'est un atout, comme ça peut être quelque chose d'inhibant si on n'arrive pas à maîtriser. Donc l'aspect psychologique est aussi important que l'aspect physique et l'aspect technico-tactique. Alors, on va parler un peu du côté du volet psychologique, qui est un côté important de tout être humain d'abord, parce qu'on est tous des êtres humains, et puis de la vie d'un sportif. Si on n'arrive pas à gérer son côté psychologique, l'aspect mental, ça peut avoir des répercussions sur notre performance et sur notre activité. Donc, on va parler de cet aspect, mais je vais me concentrer beaucoup plus sur le point important de la psychologie qui sont le côté cognitif et émotionnel. Parce que finalement, ce qui peut nous toucher, c'est ce qui peut nous amener à faire un effort ou au contraire être inhibé par quelque chose, ce sera le côté cognitif. C'est notre façon de percevoir les choses, notre façon d'analyser ces choses et le fait les effets que ça peut produire sur notre réaction et sur notre comportement. Bon, ça c'est une photo de M. Bohas alors qu'il est visionné en 1983. Hacha, avant d'être brûlé, c'est 1980. Pour trouver un petit peu le chemin, pour expliquer un petit peu l'importance de l'aspect psychologique, je repérerai quelques spécificités du sport et des sports de combat. Ils ont en main à peu près tous. La première des choses, c'est sans oublier les blessures qui sont très importantes et qui peuvent être une spécificité des sports de combat. On a une confrontation directe avec un adversaire. Deuxième des spécificités, c'est le contact total et permanent avec un adversaire et ce qui met en jeu un petit peu l'intégrité physique et peut conduire à des blessures. L'incertitude spatio-temporelle liée à cette situation de combat, c'est-à-dire généralement on a sur les sports de combat, ces zones de combat sont très réduites. Pour un match de judo, c'est 4 sur 4, je pense. Pour un ring, c'est 3 sur 3, c'est pareil. Mais c'est très réduit. Le temps de combat est aussi très réduit et peut prendre fin à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on peut gagner ou perdre en l'intervalle de quelques secondes. 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes peuvent être suffisants pour gagner un match de perdre. Ça peut influencer un petit peu sur lui. La peur, je vais parler de la peur, ce qui est un état psychologique, une situation dans laquelle tout sportif de combat peut être plongé à n'importe quel moment, surtout au début de la compétition et avant la compétition. Mais avant cela, je voudrais parler de quelques incertitudes qui viennent se greffer aux spécificités du sport de combat qui sont deux choses très importantes
concernant le combattant. La première des choses, c'est l'incertitude du résultat. Je n'étais pas très sûr de ce qu'on va avoir comme résultat, si on va réussir à gagner notre match ou gagner dans la compétition. Et c'est la probabilité de par la tête concernant le succès. Et ça, c'est une question de perception, c'est une question de revenir. C'est-à-dire que chez nous, à travers ce qu'on croit, ce qu'on pense faire, ce qu'on pense avoir, qu'on se crée, on se met dans des situations un peu difficiles, on se crée des inquiétudes qui peuvent avoir des effets un petit peu négatifs sur notre comportement. La deuxième des choses, c'est l'incertitude de l'importance du résultat pour la personne en elle-même, le sportif, son entourage, pour la fédération qui est présente. Et ça tient de beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'importance, c'est d'avoir déjà des ambitions, mais d'avoir des ambitions qui sont raisonnables. On peut avoir des objectifs, qu'on peut atteindre, et des objectifs qu'on peut réaliser. Et si on se met dans la tête des objectifs qui sont difficiles à réaliser, bien sûr qu'on se met sous stress, on se met directement dans le rouge, et ça peut avoir des répercussions sur notre comportement, sur notre façon de gérer la compétition plus tard. Alors tout ça, c'est des pressions. Lorsqu'on parle de les spécificités du sport, de combat, les blessures, l'adversaire qui est juste en face, aussi fort que nous, aussi musclé que nous, l'espace de temps qui nous est alloué pour faire la compétition, le risque de perdre ou de gagner, de perdre plutôt parce que gagner c'est quelque chose de bien, le risque de perdre dans les secondes, les premières secondes du combat, ça crée des inquiétudes et ça nous mène vers des états psychologiques un peu dangereux. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans des états psychologiques qui sont beaucoup plus, qui peuvent être néfastes, mais peuvent être aussi bénéfiques. C'est-à-dire la peur ou le stress ou l'anxiété ne sont pas tout le temps positifs. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le titre que vous avez lu, être individuel et compétitif. Chaque personne peut réagir de façon différente par rapport à une autre personne, à la même situation. On est dans un même combat. Il y a quelqu'un qui vient d'être décontracté, il y a quelqu'un d'autre qui vient tout stressé, tout anxieux, parce que on diffère les uns des autres et nos ambitions sont différentes, nos représentations de la chose sont différentes, notre personnalité sont différentes et ça joue un petit peu sur la différence et chaque individu peut vivre la situation de façon différente. Même plus que ça, une personne peut vivre la même situation de façon différente en deux temps différents. C'est-à-dire qu'on peut réagir de façon différente au même stimulus. Je vous le disons, une fois peut-être la première fois, on a peur, on est anxieux, on est stressé. Mais si on rencontre le même niveau que vous faites, vous nous avez fait, on l'a envoyé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, on commence à s'accompagner, on s'adapte, et là, on réagit de façon tout à fait normale. Alors, l'anxiété, la peur et le stress sont les facteurs, les états dans lesquels un athlète peut être plongé et suite, comme je l'ai dit, à ces perceptions qui sont beaucoup plus négatives et des suppositions qui peuvent être nuisibles pour lui. Généralement, on peut démarrer des suppositions négatives lorsqu'on arrive dans une compétition nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est nouveau dans cette compétition, on subit un petit peu les contraintes de la situation en général. Si je ne me trompe pas, lorsqu'on fait le premier championnat national ou le championnat continental ou mondial, on est tout le temps impressionné par tout le monde qui nous entoure, les personnes, l'exposition, la salle, tout ça c'est nouveau pour nous et ça peut avoir un effet sur nous. Alors, la première des choses c'est l'anxiété. L'anxiété c'est la perception d'une menace ressentie comme dangereuse physique. Alors, c'est psychologiquement parlant. C'est-à-dire que si on ressent que quelque chose peut nous remettre en cause notre confort, notre zone de confort, notre intégrité, là, on commence à être anxieux et on va essayer de réagir plus tard.
L'anxiété aussi, produite par définition, c'est l'état émotionnel mesurable relié à la maladie physique. On est toujours dans la même perception, on est toujours dans la même catégorie. Enfin, Lazarus se définit comme une émotion, comme une réaction psychologique organisée, déclenchée par les interactions avec l'environnement, le jugement, mais pas toujours, ça peut être des relations interpersonnelles ou sociales. C'est-à-dire que au moment où on est en confrontation avec un environnement, que ce soit physique, social ou interpersonnel, on peut être anxieux et on va essayer de trouver une échappatoire à notre situation qui est un peu. Alors, les émotions qui sont très importantes dans la vie de tout être humain, dans la vie en général, mais aussi dans le sport. Lazarus les a classés en deux catégories, les émotions à valence positive, voilà, qui sont la compassion, la gratitude, le bonheur, l'espoir, l'amour, la fierté, ça. Mais il y a toujours des émotions à valence négative, la colère, l'anxiété, la peur, la culpabilité, la jalousie et la tristesse. Et pourquoi on parle de valence et non pas de valeur? Parce que lorsqu'on parle de valeur, on parle beaucoup plus de la valeur objective de la chose. Si on met quelque chose sur poser quelque chose, on a une valeur objective, c'est-à-dire elle est indiquée par un outil qui nous permet de prendre vraiment la valeur réelle de la chose. Et lorsque nous-mêmes nous faisons une valeur, nous devons évaluer quelque chose, il y a tout notre psychique qui va rentrer, notre personnalité, notre expérience, notre savoir-faire, nos ambitions. Il va rentrer dans l'évaluation de cette chose ou de cette personne. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de valence que de valeur. Alors, les émotions, voilà, c'est quelque chose de très important qui vont naître des formes de l'anxiété. Les formes de l'anxiété, pour en parler, il y en a trois formes. La première, c'est l'anxiété qui est un caractère général de la personnalité à des gens qui sont anxieux de la vie. C'est-à-dire dans leur personnalité, dans leur formation, ils sont anxieux, ils sont là à se demander tout le temps pourquoi, comment, comment faire. Ils se posent tout le temps des questions pour pouvoir avancer. Il y a un deuxième aspect qui est l'aspect somatique, qui est purement physiologique, hein, qui est le fait de trembler, d'avoir des accélérations du corps et tout ça, c'est un petit peu physiologique. Et il y a l'état d'anxiété. Ça, c'est quelque chose qui survient dans des situations et pas dans d'autres. Lorsqu'on est dans notre milieu, on est moins anxieux. Lorsqu'on va dans un autre milieu, lorsqu'on arrive à on est en confrontation avec un nouvel environnement, avec tout ce qu'il y a dedans, on peut être anxieux, mais on sera anxieux juste dans cette situation. Dès qu'on sort de cette situation, l'anxiété disparaît et on revient à notre vie normale. D'ailleurs, c'est pour ça que par exemple, un sportif, je peux perdre. J'ai peur de perdre, ou je ne suis pas assez entraîné. Aussi, qu'est-ce qui arriverait si je me blesse? Qu'est-ce qui arriverait si je perds mon premier combat? Qu'est-ce qui arriverait si je n'arrive pas à réaliser mes objectifs? Tout ça, c'est des suppositions négatives qui sont posées par l'athlète et qui peuvent l'induire ou le conduire vers de l'anxiété, et ça peut avoir un effet négatif sur sa performance sportive. Une deuxième chose qui est importante, dans notre état, qui est importante, c'est la peur. La peur est présente dans tous les sports. Les sportifs, généralement, on peut avoir peur, mais on peut avoir peur pour plusieurs choses. C'est pas la peur purement physique, mais on peut, par exemple, avoir peur de ne pas réaliser son objectif, on peut avoir peur de décevoir notre environnement, on peut avoir peur de se faire mal soi-même, on peut avoir peur de se faire mal par son adversaire, et tout ça, ça engendre un petit peu des idées un petit peu négatives qui peuvent influencer notre comportement et qui peuvent avoir une incidence sur notre comportement. Et je répète,
ces états psychologiques, par exemple, soit l'anxiété, soit la peur, soit le stress, ne sont pas tout le temps néfastes. Ils peuvent être bénéfiques à la condition d'être raisonnable, dans une mesure raisonnable. La peur, c'est quelque chose qui a tout le temps soutenu l'être humain, c'est peut-être un des facteurs qui a permis la survie de l'être humain, parce que si au temps des dinosaures, s'il y avait des dinosaures, l'homme devait affronter le dinosaure qui faisait beaucoup, qui était beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus robuste, il n'y aurait plus de race humaine, et c'est comme ça l'homme peut-être s'est caché dans sa grotte et a laissé passer la vague pour pouvoir sortir et convenir à vivre. Parce que la peur, c'est peut-être quelque chose de bien, mais lorsque ça dépasse un certain niveau, un certain seuil, ça peut être paralysant, ça peut être inhibant et ça peut limiter notre performance. Alors, la peur est une émotion à tendance négative, on vient de le voir. On peut avoir peur de l'échec, comme j'ai dit, on peut avoir de la douleur, de se faire mal, peur de ne pas satisfaire ses entraînements, et peur, la peur et la prise. L'initiation de la peur, c'est la prise de la conscience, de prendre conscience du danger, alors que lorsqu'on parlait de l'anxiété, c'est beaucoup plus la crainte de ce danger. Lorsqu'on évalue un petit peu un danger, si on constate qu'il est réel, on a peur. Mais si c'est nous qui nous faisons peur par nous-mêmes, ce qui arrive souvent, c'est beaucoup plus l'anxiété que la peur réelle. Dans le sport de combat, l'intégrité physique est mise en jeu, donc la perception du danger est plus grande que dans d'autres sports. Lorsqu'on parle par exemple de l'athlétisme, c'est vrai, ils ont peur des athlètes, des coureurs de tomber, de se faire mal par eux-mêmes, mais à degré moins. Lorsqu'on parle de judoka, boxeur, il rentre avec l'idée de prendre des coups. Un boxeur, on ne peut pas enlever ça de sa tête, ça ne dit pas. Il sait que s'il rentre sur le ring pour un combat, il va en prendre. Peut-être qu'il va en faire en prendre à son adversaire plus qu'il en prend, mais lui, il est sûr qu'il va en prendre, on ne peut pas lui enlever ça. Et ça, ça crée un petit peu de la peur et ça peut avoir un effet sur son corps. Alors, tout ça, ça nous met vers le stress. D'un point de vue méthodologique, est-ce que c'est la peur qui précède l'anxiété, qui précède le stress ou pas? Généralement, toutes ces variables peuvent être considérées comme variables entrantes, endogènes ou exogènes. Je peux commencer par être stressé, parce que j'ai créé une mauvaise évaluation de la situation qui va peut-être me mettre dans un état d'anxiété et de là je prends peur et j'arrive pas à maîtriser un petit peu mon sujet, j'arrive pas à rentrer dans mon combat, je ne peux pas faire un combat et je perds le combat en quelques secondes. Ça peut s'expliquer comme ça. Comme ça peut s'expliquer autrement, c'est-à-dire qu'on peut commencer par la peur, hein, je rentre avec une peur au ventre. Ça veut dire quoi? Ça peut avoir un effet sur mon état et sur le anxieux, et après c'est le stress et ainsi de suite. Mais moi je pense que généralement le stress vient après. Parce que le stress c'est une étape où on arrive à avoir une évaluation plus ou moins correcte de ce qui se passe autour de nous, et c'est en conséquence de cette évaluation qu'on prend une décision. Est-ce qu'on avance, on recule, c'est un peu ça. Alors, le terme stress en lui-même, qui est connu dans le monde scientifique, en réalité c'est un mot scientifique qui a été emprunté à la physique. Et c'est un chercheur qui s'appelle Kaman qui avait emprunté le terme stress. C'est la succession de pressions qu'on peut apporter, qu'on peut mettre sur un matériau. Si ces successions de pression sont normales et de tension, normale, alors le matériau, s'il est bien, il n'y arrivera rien. Mais si au contraire, on met des pressions supérieures et continues, ou que le matériau lui-même est fatigué, et là, il peut y avoir rupture et on est en situation de stress. Alors le stress, le mot stress en lui-même peut dire plusieurs choses. On peut parler des stimulus ou des stresseurs, on peut pas parler de ce terme, des stresseurs, c'est-à-dire tous les agents extérieurs ou intérieurs qui
nous mettent de la pression et qui sont des stresseurs, c'est ça, de stress. On peut aussi parler de l'état de stress, c'est-à-dire qu'après avoir subi des pressions ou des contraintes importantes, on est en situation ou en état de stress. Ou on peut quand même admettre que le stress, comme le disent certains, que c'est un syndrome d'adaptation. C'est-à-dire que c'est une phase, comme tout autre, avec laquelle on commence, on apprend, parce que c'est beaucoup plus de l'apprentissage, on apprend à s'adapter, à s'accommoder à des situations. Alors, l'idée de stress est comme une pension excessive en disant à l'information, à la rupture. Et tout à l'heure, je parlais par exemple de spécificité du sport et des craintes qu'on peut avoir concernant la réalisation des objectifs d'un côté et l'importance de ces objectifs d'un côté. En fait, c'est des pressions que l'athlète subit et peuvent le mettre dans des situations de stress. Enfin, état de tension d'une personne ressenti lorsqu'elle est soumise à des émotions, des émotions inhabituelles. Lorsqu'on est dans une situation inhabituelle, on peut être en situation de stress et ça peut passer. Alors, le stress, comme j'insiste à dire, comme la peur, comme l'anxiété, peut avoir un effet positif ou avoir un effet négatif. On peut parler de stress positif, c'est quelque chose qui est bien, qui nous aide à avancer. Et on peut parler aussi de stress négatif, c'est quelque chose qui est inhibant, qui peut limiter un petit peu notre rendement. Et là, lorsque le côté comportement physique et mental est interne, on a beaucoup plus de distress. C'est au contraire de stress, c'est des termes proposés par Canon et par Sylvie, qui sont des spécialistes du stress. Alors, si on est continuant, on peut parler de zéro stress. Lorsque la personne, et on ne peut pas imaginer une personne sans stress du tout. On peut stresser tout le temps, on a tout le temps du stress, même si parfois on ne se rend pas compte qu'on est sous stress. On est stressé par le temps, on est stressé par les voitures qui sont autour de nous, on est stressé par le temps qui est autour de nous, on est stressé par nos idées, nous-mêmes. Parce que l'essence d'être humain, l'être humain est peut-être le seul être à se mettre par imagination en situation de stress. Il va se dire, et si je suis en retard, et si j'arrive pas, et si je fais ceci, et si ça. Il se met de la pression lui-même et il se met sous stress et commence à stresser. Alors, zéro stress, ça n'existe pas. Un peu de stress, c'est bon. Le stress, c'est bon. Et puis, le burn-out qui est extrême. C'est l'épuisement total. Alors, le stress en relation avec la performance, comme je peux l'expliquer, un bon stress, pas très grand, mais une façon de ressentir la situation, de palper un petit peu ce qui est autour de nous, de se mettre au diapason de la chance et de pouvoir attaquer sa compétition, c'est bon, mais il ne faut pas aller au-delà. Parce qu'à partir d'un certain moment, lorsqu'on arrive par exemple à ce niveau-là, le stress est très important, on voit que la courbe de la performance commence à décliner. Là, on a quand même une ascendante, c'est une courbe ascendante, et arriver, c'est la zone de réalisation la plus importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être mort, mais il ne faut pas aussi se mettre le retour sur la gorge et avancer dans ce sens. Et lorsqu'on a un bon stress, on sait que on peut réaliser nos objectifs, on sait que les objectifs français d'assimiler sont raisonnables et acceptables. Quand on a confiance en nous-mêmes, par exemple, on a un entourage autour de nous qui nous supporte, c'est l'équipe, c'est les coéquipiers, c'est nous-mêmes qui avons confiance en nous-mêmes. Là, on peut réaliser une bonne performance qui va avec un niveau moyen de stress. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Deux façons de voir le stress, l'un c'est l'approche psychophysiologique et une deuxième approche qui est l'approche psychosociologique. La psychophysiologique, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, proposé par Hansen, qui propose que le stress, c'est l'ensemble
sont des relations de l'organisme et de l'organisme psychophysiologique d'adaptation à une, entre une personne et ses caractéristiques et un environnement particulier qui vient perturber ou rendre sa stabilité ou son équilibre intérieur, équilibre physiologique et ou psychologique. Parce que, on est, je vais donner un exemple très, très simple, qu'on entend souvent, parce qu'on va passer à un IRM, imaginez la résonance magnétique. Très souvent, on a peur. Pour la première fois, je ne sais pas comment je n'ai pas passé, mais je pense que le fait de passer dans un tunnel, docteur, c'est toujours possible. La première fois, donc, pour une opération chirurgicale, on a peur ou pas? Pour la première fois. Pour la première fois, si on est sportif, on a tous fait au moins une ou deux opérations chirurgicales. La première fois, on est stressé, on a peur, on ne sait pas comment ça va se passer. La deuxième, on commence à s'adapter, on commence un petit peu, peut-être notre blessure, on la connaît, on connaît comment ça va être, ça va se faire, comment, quel temps ça va prendre, comment ça va se faire. Mais au bout de 3, 4, 5 opérations, on n'a plus de peur, on n'a plus de stress et on s'accommode facilement, c'est-à-dire qu'on a appris à s'adapter avec cette situation. Comme disait tout à l'heure Madame le ministre, vous savez, elle doit partir faire une opération. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Et pour d'autres, par exemple, si vous les dites que demain vous allez passer ou faire subir une opération chirurgicale, il dormira pas. Je pense que c'est ça, c'est le fait que la différence individuelle, c'est d'une personne à une autre, suivant son expérience, suivant sa situation, suivant son, comment elle voit la chance et l'importance de cet événement pour elle en être. Alors, la deuxième approche, je vais passer directement à la deuxième approche, on va aller un peu plus loin, toujours dans cette approche qui est l'approche physiologique, proposée par Hans Hennig, qui propose le syndrome d'adaptation générale, le SIR. Il est composé de trois phases, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Je vais expliquer brièvement ces trois phases. La première phase, c'est la phase d'alarme, elle est constituée de deux situations, la phase de choc et de contre-choc. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté directement à un stimulus nouveau qui peut engendrer des dangers pour nous ou pour notre confort ou notre intégrité physique. La première des choses, c'est qu'on a peur. La première des choses, c'est que notre corps réagit automatiquement. C'est l'aspect, c'est le système auto. Qui réagit et de ce fait, on essaie après, dans une autre situation, de ramener le calme à travers. Voilà. Donc, c'est pas dit, lorsqu'on a une alerte, lorsqu'on a un danger directement, on est tout le temps, on est tout de suite mis sous pression et le corps va réagir en émettant des signaux physiologiques. Ces signaux physiologiques, c'est des signes d'alerte. C'est-à-dire que le corps doit se préparer à l'action. Est-ce qu'il doit fuir ou combattre? C'est la phrase célèbre de Canon, Fight or flight, combattre, on a une des situations. Alors là, le système orthosympathique donne ces signaux, préparer à l'action, discrimination des muscles, fermer les sphincters, augmenter le rythme cardiaque, augmenter les tensions artérielles et augmenter le rythme respiratoire. Tout ça, c'est des signaux qui sont donnés par le corps lorsqu'on est en situation de danger, lorsqu'on perçoit un danger. La première des choses, c'est ce qui arrive et c'est presque automatique, c'est physiologique. Vient après une deuxième phase, c'est le contre-choc, qui est l'intervention du système parasympathique. Le parasympathique, c'est de ramener le calme, d'inverser un petit peu les symptômes qui étaient lors de la phase d'alerte, la première phase d'alerte, qui est de ramener le calme à travers. Préparer la défense et la récupération, relâchement des muscles, relâchement des sphincters et élimination des toxines, ralentir le cœur et la respiration. Alors, tout ça, ça peut se faire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on est sujet à des stress, des moments de stress continuellement dans la vie. On stresse, on déstresse, on stresse, on déstresse et ainsi de suite.
des bandes, amères, des bandes, et tout ça, c'est pas néfaste. Ça peut passer normalement quand on a les moyens. Mais le stress devient un petit peu inhibant et devient problématique. Je pense que ces pressions se succèdent, très rapprochées, et puis lorsque la pression est de plus en plus forte, plus on a de pression, plus on commence à être sujet au stress. C'est-à-dire que les événements s'enchaînent et tout ça, ça peut nous conduire à des états psychologiques très faibles. Je vais vous donner juste un petit exemple, c'est une succession d'événements. Hein. Un déménagement, un divorce, une opération chirurgicale, tout ça par exemple dans un monde. La mort d'un proche, tout ça dans un monde. Est-ce que c'est raisonnable? C'est pas raisonnable parce que c'est des situations qui nous mettent en scène du stress continuellement et la situation peut nous être fatale et peut avoir un effet négatif sur notre santé mentale. C'est pour ça que lorsque c'est des incidents normaux, lorsque c'est une situation normale, on peut réagir facilement et passer à autre chose, on peut subir une pression et passer à une autre chose, et ainsi de suite, continuellement, tout le temps de la journée, et au moment où on est bien équipé et on peut s'adapter facilement. La deuxième phase, c'est la phase de résistance, parce que le corps, où on arrive à s'adapter, mais on ne s'en sort pas. On est tout le temps. Voilà, là on est dans la phase d'adaptation, on ne sait pas. L'action est impossible, on hésite entre avancer, reculer, faire telle ou telle chose. Le fonctionnement entre le parasympathique et l'autocentrique sont en contradiction. Et là, on n'avance pas, on se calme et on est sujet à des dysfonctionnements, si on peut dire ça comme ça. Bien après, la phase de même temps. Là, on est dans la chute et c'est l'effet négatif du stress dans cette situation lorsqu'on n'arrive pas à subir, à s'adapter aux contraintes de notre environnement. On est en situation de stress. Ça, c'est une approche purement physiologique. La deuxième approche sur laquelle je vais aller rapidement pour gagner un peu de temps, c'est l'approche psychosociologique ou appelée de double transaction. C'est une approche proposée par deux chercheurs qui sont Lazarus et Fortman, qui disent qu'en réalité, le stress, c'est le résultat d'une analyse, une double analyse de la situation. Oui, il y a pas trop de gens, parce que moi je voulais attirer un petit peu l'attention de les présences sur l'importance du côté psychologique. Et que, par exemple, une défaillance physique ou technique, on peut toujours pallier ça avec un fort, un esprit ou un mental assez fort. Un exemple, lorsqu'on a très souvent un combattant qui n'a pas les moyens physiques ou techniques, mais qui a l'envie de gagner, on trouve plus de difficultés à s'en défaire. Ça existe très souvent lorsqu'on est en compétition avec un combattant, avec un combattant qui a une autre, moins de technique que nous, peut-être moins de force, mais qui a une grande envie de gagner, de faire quelque chose, et ça peut nous booster, ça peut lui donner de la force pour réaliser ce qu'on n'arrive pas à réaliser. Et puis, pour attirer un petit peu l'attention sur les termes nouveaux qu'on entend sur les scènes de sport, parce qu'on entend par exemple les entraîneurs dire que ça lui faut savoir gérer ses émotions pour gagner un match. Il faut ce match va se gagner par exemple au mental, c'est-à-dire qu'on est à égalité, mais ce qui va faire la différence, c'est le mental, c'est l'envie de vaincre, l'envie de gagner. Et lorsqu'on a, on est dans le mieux, on a un peu ça, et c'est pour ça qu'on pourra avoir des difficultés à s'en défaire de l'adversaire comme ça. Un point important, c'est que durant la préparation, c'est vrai que ça prend du temps, mais le temps file rapidement, c'est que les entraîneurs devaient prendre conscience un petit peu de cet aspect important qui est l'aspect psychologique, et que les athlètes eux-mêmes aussi comprennent un petit peu ces états, si je peux parler des états qui sont la peur, l'anxiété et le stress,
pour mieux les maîtriser pendant les compétitions, mieux les maîtriser avant la compétition, durant les préparations, ce qu'on appelle la préparation mentale, et tout ça pour arriver bien préparé physiquement et techniquement et mentalement le jour J. Je vous remercie, je n'ai pas eu assez de temps pour expliquer ce que je voulais présenter. Pour le 16 juin. Je vais vous mettre en contact avec la dame qui organise cet événement et vous nous ajoutez toutes vos informations. Sans plus tarder, je vais appeler maître des arts de niveau international, le docteur Hashi, pour nous parler un peu du karaté. On parle du sport de combat, on a vu le judo. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans un autre sport de combat. Comme a dit notre collègue médecin, un sport de préhension, le karaté. À savoir le métier d'entraîneur, il est arrivé à un temps où tout le monde opte pour ce métier. Donc j'essaie de déterminer un petit peu les grandes caractéristiques d'un entraîneur modèle, d'un entraîneur de performance, à travers cette modeste conférence. Donc il est à noter que la mission principale des fédérations spécialisées est la mise en place d'une stratégie pour le développement de la discipline à court, moyen et à long terme. Il est à noter aussi que tout le monde doit avoir accès à la pratique. Mais le champion doit répondre à certaines exigences qui ne sont pas accessibles pour tout le monde. Sinon, n'importe qui devient champion. À partir de là, il est à rappeler aussi que la vitrine de la fédération et son équipe nationale, et à partir de là, devrait dégager une élite représentative sur la base d'une évaluation critérielle et objective. La haute performance exige des caractéristiques spécifiques sur le plan physique, physiologique, technique, tactique et psychologique. Une démarche scientifique est indispensable pour exploiter toutes les potentialités de l'athlète de façon optimale, l'objectif étant la réalisation des meilleures performances possibles. Donc, selon Platonov, la pratique sportive donne un sens aux épreuves de compétition à travers les composantes spécifiques. Il est à rappeler que ce qu'on appelle les composantes spécifiques ou les sensations spécifiques, par exemple en karaté, les pinces à baguette, les déplacements sont des composantes spécifiques. La gestion de la distance est une composante spécifique. Le timing, la réaction défensive, la réaction offensive est une composante spécifique. Spécifique qu'on développe avec la technique. Donc il est indispensable de perfectionner certaines perceptions spécifiques, à savoir la première, le sens du temps. Chaque épreuve a une durée, donc cette durée devrait développer le rythme le plus optimal que celui privé en compétition de haut niveau. Ceci nécessite un travail planifié pour arriver à atteindre une vitesse voulue. Donc le deuxième sens, c'est le sens du rythme. Il est aussi à l'article, le rythme est la caractéristique la plus difficile à développer. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent. Donc il faut donner le sens en travaillant en fonction des exigences du rythme de la compétition. Sinon, le travail serait défaillant. Enfin, le sens des efforts développés, tout en modifiant les résistances et en développant la capacité précise de la valeur des efforts développés. Donc l'acquisition du stade de haut niveau de la performance sportive dépend des conditions sportives suivantes. La première chose, c'est un système d'entraînement qui garantit une prise en charge de l'athlète en fonction des exigences athlétiques de l'épreuve de compétition. La deuxième chose, c'est le système de compétition lui-même qui nous permet de filtrer les meilleurs athlètes et l'émergence des talents. Et enfin, le respect des périodes d'entraînement. Donc, une mission très difficile pour la fédération pour pouvoir mettre en pied une élite représentative et d'une façon continue.
Il est aussi à rappeler que la formation de haut niveau nécessite un élément très important qui est le facteur temps. Donc on ne peut pas former sur le temps. C'est le temps qui fait le champion. Dans les pays qui se dépassent, certains pays qui ont une culture sportive, dont une culture athlétique bien développée, on développe le talent dans le temps, c'est-à-dire un développement à long terme. Ceci nécessite une mise en place d'une filière de haut niveau de nos jeunes pour optimiser au plus vite la performance, et ceci nécessite un délai de 10 ans, c'est-à-dire l'athlète devrait être reconnu comme étant talent à partir de 12 ans. Il doit être pris en charge à partir de cet âge pour pendant 10 ans pour prétendre à un niveau de performance réussi. Donc 10 heures d'entraînement par semaine pendant 10 ans, ce qui fait 10 000 heures, un minimum de 40 à 50 semaines d'année de préparation, un nombre important de compétitions, généralement pour les sports de combat, le nombre de compétitions dépasse 8 compétitions par année, donc à peu près 40 combats par année, c'est le strict minimum pour pouvoir développer des automatismes combatifs. Et enfin, une surcharge de stage et de recrutement durant les périodes de préparation. L'élément le plus important dans toute cette opération, c'est l'entraînement. Donc l'entraîneur, c'est lui le vecteur en commun, c'est lui le plus important à prendre en considération. Donc il faut savoir qui forme, il forme quoi et il forme comment. À partir de ces problématiques, on commence notre intervention. Si on revient un petit peu dans le cadre du karaté ou des arts martiaux d'une façon générale, karaté judo, dans le karaté des arts martiaux traditionnels, la pratique se fait en suivant la règle Shi-Taiji. En karaté de compétition et sport de combat, on respecte trois principes: savoir, pouvoir, vouloir. C'est presque les mêmes principes. Donc le savoir, il a rapport avec la connaissance, le pouvoir avec le physique et le vouloir avec l'aspect psychologique. Donc le Shi, c'est le cerveau. Le J, c'est le cœur, c'est les émotions. Et le Tai, c'est le corps. Donc, le premier concerne le savoir, le deuxième concerne le pouvoir, et le troisième concerne l'aspect de la volonté. Le premier détermine les capacités physiques et biologiques, le deuxième détermine les capacités psychologiques et volitives, et enfin, le troisième dépasse et concerne l'aspect. Il est à noter que la performance sur le plan psychologique se situe au niveau de trois niveaux. Le premier niveau à atteindre, c'est le stade personnel, le stade sensitif. On ne peut pas développer une performance si on n'arrive pas à renforcer de façon optimale l'aspect sensitif. Donc le premier stade à atteindre, c'est l'aspect sensitif. Vient ensuite l'aspect perceptif et enfin l'aspect cognitif, la connaissance qui concerne un petit peu la vitesse de l'information et l'aspect de créativité. Donc les critères du bon enseignant, selon les armations anciens et bien sûr les armations anciens tels que le karaté et le judo, ils concernent le sensei. Le sensei, c'est le maître. La première condition, il faut avoir l'expertise. Quand on dit expert, c'est avoir le fin détail de toute la technique, connaître toutes les techniques. On ne peut pas enseigner avec une ignorance. Donc il faut être connaisseur, sachant bien que la technique s'intitule au niveau de sa structure, de son maillot et des détails. L'expert, c'est celui qui arrive à détenir les détails. Les détails, ce sont du ressort du fin technicien. Donc l'expertise, la pédagogie, c'est l'art d'enseigner. La gestion, on ne peut pas être entraîneur ou un maître si on n'arrive pas à guider, à gérer et à exercer la relation de chef, sachant bien que la notion de chef, c'est l'autorité d'un chef ou l'autorité d'un sensei, ce n'est pas sa force physique ni sa force technique. Son autorité, généralement, c'est sa compétence. Et enfin, être capable de solutionner tous les problèmes auxquels la tête pourrait être exposée. Donc il est là pour trouver.
trouver des solutions pour n'importe quel problème qui pourrait se présenter chez l'athlète. En l'entraîneur, par contre, la détermination pour l'aspect sportif, on parle d'entraîneur. L'entraîneur est reconnu par sa compétence. La compétence, elle traduit notamment savoir, le savoir technique, le savoir sportif, et le savoir scientifique et le savoir professionnel relatif à la compétition. Donc la compétence et la personnalité. Comme il est demandé ou l'a exigé chez la tête de haut niveau d'avoir une forte personnalité, on ne peut pas être un entraîneur de haut niveau sans probablement avoir la personnalité forte. Donc la personnalité, les qualités d'un bon entraîneur concernent la bonne culture sportive, la bonne observation, capacité d'observation qui lui permet d'avoir la possibilité de réaliser une bonne analyse, et enfin la bonne connaissance de la pédagogie, de la psychologie, de la méthodologie du sport. Le métier d'entraîneur, il faut rappeler que le métier d'entraîneur est le métier des relations humaines. C'est une personne qui est capable de prise de décision, qui a beaucoup de sens du contact. Dans l'entraîneur moderne, inclut la capacité d'écoute et de communication avec les athlètes. Autrefois, avec le maître, on ne pouvait pas parler. Donc, la relation dans les arts martiaux et sport de combat, les arts martiaux anciens, la relation se fait à travers le DJ, c'est le plus ancien élève. C'est lui qui fait un petit peu la relation entre les élèves et l'expert. Par contre, dans le sport moderne, l'entraîneur arrive à quand même avoir une communication directe avec l'ensemble des élèves, ce qui diffère. Donc l'entraîneur n'a pas, en quelque sorte, trop peur de relation avec ses élèves, puisqu'il arrive à instaurer de l'esprit à travers sa compétence. Sur le plan professionnel, l'entraîneur devrait avoir le critère suivant. La première chose, c'est la disponibilité. On ne peut pas avoir entraîneur si on ne peut pas être disponible à la tête. La séance matinale, la séance d'après-midi, donc ça c'est très important. La réceptivité, c'est le fait de répondre positivement aux besoins de l'athlète. La vigilance, rien ne laisse rien passer au hasard, tout se fait selon une démarche bien suivie, bien étudiée. L'adaptabilité, c'est une personne qui arrive à ajuster son comportement aux personnes et aux conditions de travail. Ce n'est pas parce que les conditions ont changé qu'on arrête de travailler. La communicabilité, c'est la possibilité d'établir des relations affectives et bien sûr qui sécurisent et stimulent un petit peu les élèves. Et ça, c'est très important dans le cadre de la performance. Les élèves ont besoin de cet apport pour pouvoir être motivés et pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Enfin, l'entraîneur doit avoir ses droits. Savoir. Le premier, c'est le savoir technique. Le deuxième, c'est le savoir scientifique. Le troisième, c'est le savoir professionnel. Être entraîneur de haut niveau exige ces trois savoirs. La différence entre les entraîneurs de haut niveau se situe surtout sur le mode d'exercer l'autorité. Comme on le rappelle, l'autorité d'un entraîneur, ce n'est pas sa force physique, c'est sa compétence. Sa compétence, c'est-à-dire sa capacité de gérer ou d'optimiser la performance de l'athlète. Et ça, c'est une sensation émotive qui s'établit entre l'athlète et l'élève à travers la pratique. Il n'a pas besoin de le trouver, mais c'est, ça arrive spontanément. L'attitude relationnelle avec la première chose, c'est le mode d'exercer l'autorité. Et la deuxième chose, c'est l'attitude relationnelle avec les jeunes. Donc, la relation avec les gens, c'est une relation qui s'établit essentiellement sur le respect. L'entraîneur doit être capable d'organiser, il doit être capable de communiquer, il doit être capable d'observer. L'observation est un outil de travail très indispensable. On dit que l'analyse, l'aide de l'entraîneur spécialiste, c'est un scientifique qui permet de décortiquer tout l'exercice, toute la technique et d'avoir tous les détails pointus dans l'optimisation de son exécution. Donc d'observer, d'analyser, de comprendre, de démontrer
Et c'est pour cela que dans les arts martiaux de façon générale, le sport de combat, de façon, l'entraîneur doit s'entretenir à travers des entraînements quotidiens pour ne pas perdre la sensation et pour avoir toujours avec la capacité de démonstration. La capacité de démonstration. Et enfin, d'améliorer la performance. Donc si on est entraîneur, on doit être capable d'améliorer la performance de l'athlète. Une enquête sur les entraîneurs de haut niveau a permis de déterminer les traits communs caractérisant le bon entraîneur. Qui est le bon entraîneur? C'est un dominateur et énergique. Il domine le groupe théorique, non pas par la façon d'animer la séance et la façon de démontrer et d'orienter. Donc, dominateur et énergique, consciencieux, affectivement stable et mûr, c'est très important. Donc, capable de libérer son agressivité sans problème, intelligent et inflexible, qui résiste au découragement. Et bien, on prend par exemple le cas de Belmadi, après un long parcours de réussite, un échec au niveau de la qualification au niveau de la Coupe du Monde. Donc là, il doit être inflexible. Il doit être. Là, c'est une caractéristique de l'entraîneur de haut niveau. Donc, il est inflexible, il résiste au découragement. Il n'est ni modeste, il n'est ni soumis, il n'est ni docile. Docile, c'est la même chose pour nous. Il obéit facilement. Donc, ce sont généralement les caractéristiques des entraîneurs de haut niveau. Voilà, à éviter le sens de la responsabilité. L'abnégation, qui va arriver à l'entraîneur, est obligé de sacrifier ses intérêts pour pouvoir répondre positivement au projet sportif. Les qualités d'organisation, moi je crois que c'est-à-dire il est bien organisé dans son travail, dans la gestion de son métier. La maîtrise de soi, c'est très important parce qu'il représente un modèle pour ces jeunes, pour la famille de la société qu'il pratique. Donc la maîtrise de soi émane de, c'est-à-dire du fait qu'il est un modèle, il doit être toujours être exemplaire dans son comportement. Et la constance dans l'effort. La constance de l'effort, c'est elle qui fait un petit peu la réussite par le cas. L'entraîneur. Il est reconnu par sa compétence et sa personnalité. Donc il doit optimiser la performance de la tête sans porter atteinte à l'intégrité morale et physique, à son intégrité morale et physique. Il participe en quelque sorte à son éducation, à la construction de l'être. Donc l'entraîneur, sa mission, c'est d'entraîner, de performer. Sa relation avec l'athlète se situe au niveau de l'entraînement. L'entraînement vise le développement des qualités physiques, des qualités techniques, tactiques, psychologiques, morales et volitives. Il concerne aussi le fait de développer la compétence à performer, donc l'amélioration du niveau de performance. L'athlète a ses objectifs, sans le sens que la performance, la recherche de la meilleure performance possible, donc la performance au niveau de la meilleure. Donc il doit être prêt le jour J, il doit être dans un état de forme compétitif le jour J. L'objectif de l'entraînement, d'une façon générale, est l'amélioration des possibilités athlétiques et la mobilisation des dispositions à la performance. Quand on parle d'entraînement sportif, on vise automatiquement la compétition. Donc le choix de la structure de l'entraînement, c'est une relation. La première chose qu'il faut faire, c'est la détermination précise d'un objectif. L'objectif est la première chose à prendre en considération. L'objectif justifie le contenu. Et les méthodes sont choisies en fonction du contenu pour répondre positivement ou efficacement à l'objectif. Par le biais de l'entraînement, on touche aux quatre aspects. L'aspect physique, l'aspect technique, l'aspect tactique et enfin l'aspect psychologique. Il est à noter aussi que la première des choses que doit faire l'entraîneur dans son métier, c'est de pouvoir analyser, comme on a dit, analyser quoi? Analyser le niveau actuel de l'athlète, analyser la réalité du terrain sur laquelle il exerce, et il doit analyser aussi les exigences de la performance, sachant bien que
la compétition change, les tendances se renouvellent à chaque compétition mondiale. L'entraîneur date, c'est ça, et ça constitue le savoir professionnel, doit être toujours au point de répondre positivement à ça. Donc sur la base de ces trois analyses, il fait son pronostic. Et sur la base du pronostic, il établit sa planification, il la met en pratique et rebelote. On revient à l'évaluation pour voir le niveau de développement de l'athlète et bien sûr ajuster ce qu'il faut ajuster. Donc la première chose concernant l'analyse, elle touche les exigences de la performance. On peut avoir aux avis des entraîneurs externes, à l'étude de la littérature et bien sûr l'observation prise de mesure en situation réelle d'entraînement et de compétition. L'analyse des capacités d'athlète concerne le choix, l'élaboration et la validation des mesures les plus. Congruent. Donc, l'entraînement s'effectue au niveau de la planification, la programmation et sur la base du respect de la périodisation. On parle d'orientation, donc de contrôle continu et bien sûr du suivi pour pouvoir voir l'évolution de l'athlète. Sur le plan de son activité, l'analyse de départ constitue un élément très important pour l'entraîneur. Donc, elle détermine les exigences de l'athlète en compétition en fonction de l'âge et du niveau de performance. Les besoins de l'athlète, il faut déterminer les besoins de l'athlète par rapport aux facteurs déterminants de la performance, rechercher les points forts et les points faibles pour pouvoir s'investir efficacement. Rechercher aussi la réalité du terrain, donc le volume d'entraînement, la nature des compétitions et l'accès aux aménagements sportifs. Et à l'équipement sportif. Sur le plan de l'analyse, on parle d'exigence athlétique. La première exigence, c'est sur le plan énergétique. Donc, l'entraîneur devrait bien déterminer les filières énergétiques sollicitées dans son épreuve. Donc, sur le plan des filières, on a vu, si on prend le karaté est une technique, est un sport à. C'est un sport à technique bref, en français rapide, intérieur. Donc, bref, en français rapide. Les qualités les plus importantes, ce sont la force explosive et la vitesse. Donc, ces deux déterminants nécessitent tout un schéma pour arriver à cet objectif. Donc, l'entraîneur doit être en mesure de déterminer une priorité sur le plan des filières énergétiques, déterminer la majeure. L'importance majeure est l'importance modérée. Sur le plan physique, le psychisme, c'est la même chose. Donc, la recherche des qualités musculaires, la force endurance, la force vitesse, la force relative, l'endurance ou vitesse. Sur le plan des qualités motrices, l'agilité, la coordination, l'équilibre, la vitesse. Et sur l'orientation spatiale et temporelle, de l'île, le contrôle de poids, etc. Donc, sur le plan stratégique aussi, ça concerne un petit peu les sports de combat de façon générale. Ce qui est important, c'est la prise de décision, l'aspect cognitif, la variation des réponses, le système de solution, la connaissance pratique, la stratégie du jeu de façon générale. La détermination de tous ces facteurs constitue une richesse qui permet à l'entraîneur de bien gérer, non pas de bien gérer, simplement de bien gérer, mais de construire une culture combative chez l'athlète, c'est-à-dire l'athlète quand il rentre contre le tapis, il sait ce qu'il est en train de faire, la belle chose. Donc ça constitue une culture athlétique dans le tapis. En sport de performance, tout va de plus en plus vite. Donc il faut être très technique. Donc il faut rechercher l'affinement. L'affinement, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas chercher l'affinement si on n'a pas les détails. Donc, on revient à la première caractéristique, c'est-à-dire l'entraîneur devrait être un expert. Il devrait avoir le moindre détail de n'importe quelle technique. Il faut s'entraîner pour supporter les exigences de la haute performance. Il est à noter que le concept de champion a été créé par Jean en 1963 et il n'a pas cessé d'évoluer. On l'identifie en fonction de deux paramètres. Le premier, c'est la capacité d'innovation, qui n'a droit à la capacité d'innovation, on a droit à la stade supérieure, c'est-à-dire pour arriver à l'aspect cognitif, il y a tout un aspect à développer au préalable. Donc, il y a premier là, l'aspect sensitif, l'aspect perceptif, pour arriver à ce stade. La deuxième chose, c'est la réalisation d'un projet. Chaque athlète de haut niveau, chaque entraîneur de haut niveau,
ne peut pas s'investir dans la performance sans pour autant avoir un projet. Il constitue par le pays, c'est un projet en commun entre l'athlète et son entraîneur. Donc la détermination du profil de champion mondial suit deux versions. La première version est l'analyse de la compétition, la deuxième c'est l'analyse de l'épreuve elle-même. Sachant bien qu'il y a une spécificité pour les sports de combat qui constitue que la compétition est une chose et le combat est une chose. On ne peut avoir l'efficacité dans une compétition que si on arrive à gérer combat par combat. C'est-à-dire, en fin de compte, pour l'athlète, la compétition c'est le premier combat, la seconde c'est le deuxième combat. Donc l'analyse de chaque combat constitue un élément de la réussite de la compétition pour accéder au podium. Et ça, c'est une culture qui se développe chez l'athlète. Donc, le champion mondial est reconnu par la stabilité de ses performances, le style personnel qui caractérise sa personnalité, et enfin, c'est une personne qui manifeste un haut niveau de maturité athlétique et de maîtrise des indices suivants. Donc le premier indice, c'est le développement optimal des composants spécifiques. Qu'est-ce qu'on appelle composants spécifiques? On a mais là, concernant le karaté, ce qui est un composant spécifique, le déplacement sur le tapis de composants spécifiques, parce qu'il concerne la gestion du paramètre spatial, la gestion de l'adversaire, la gestion de la distance, c'est une composante spécifique, la réaction défensive est une composante spécifique, la réaction offensive est une composante spécifique. Donc, le développement optimal des composantes spécifiques, le savoir-faire technique inné, quand on parle de savoir-faire technique inné, on évoque essentiellement la préparation technique qui commence par l'apprentissage, qui cherche la maîtrise, qui passe par le perfectionnement qui aboutit au savoir-faire technique. Donc, tout un processus pour arriver à ce stade. Le savoir-faire technique. Enfin, les habitudes compatibles qui développent l'athlète, qui l'automatisent avec la compétition, qui l'automatisent avec l'athlète, et enfin, une pensée tactique souple, riche et innovatrice, c'est-à-dire sans limite. Par exemple. Je vous remercie, docteur. Je demande à tous les communicants de bien vouloir venir ici, on va ouvrir un bref débat, s'il vous plaît. Je remercie l'ensemble des communicants pour ces riches informations et chaque jour on apprend. Je suppose qu'il y a quelqu'un qui sait tout. Chaque jour on apprend et dans n'importe quel domaine. Donc, y a-t-il des questions? Je pose la question à ma chère assistance. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être pas de la suite. Question témoignage. Vous également, vous avez été et vous êtes dans les sports de combat, donc peut-être qu'on n'a pas encore le handicap. Salam alaikum. Ce n'est pas des questions, c'est plutôt au vu de l'importance, l'extrême importance du thème soumis aujourd'hui au départ. On parle de sport de combat. Je voudrais rappeler que les sports de combat au sein de notre mouvement sportif national, ça c'est bon à retenir, notamment pour les étudiants qui s'apprêtent à se lancer dans une bonne carrière, Inch'Allah, ils forment une des athlètes. Mais d'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce qu'au niveau des Jeux Olympiques, manifestation suprême, l'Algérie, notre pays, a enregistré à ce jour 18 médailles olympiques. Ces 18 médailles olympiques ont été remportées par 15 athlètes. 18 médailles, 15 athlètes. Maintenant, deux athlètes qui ont remporté 5 médailles. À savoir le Riofi qui a remporté 3 médailles et aussi certains boxeurs Bayramo qui en a rapporté 2. Ces deux athlètes, sur les 5 médailles qu'ils ont remportées, en affirment 2 médailles d'or. Et parmi les 18 médailles remportées, nous enregistrons
puisqu'on parle de sport de combat, 11 médailles sur les 18 remportées par des sportifs issus de sport de combat, à savoir Zouj, et il est bien de rappeler Benichef Ammar ou Soraya Haddad. Et puis il y a 9 médailles remportées par des boxeurs, Menhom Limat Rahman, jusqu'à Zouj. Donc, tout ça pour dire que, pour situer, pour insister sur la place prépondérante qu'occupe, que doit occuper, qu'occupera toujours les sports de combat au niveau de notre représentativité internationale. Ceci m'amène à dire qu'il y a toujours question de reconsidérer, de resituer au niveau de la classification des disciplines, l'importance que doivent susciter ces disciplines. Le judo, la boxe à eux deux, Lyon, Djébin, 11 médailles. Encore plus, Lyon. Nous avons des disciplines, deux autres disciplines, au moins le sport de combat, qui sont éligibles à l'obtention de médailles olympiques, à savoir la lutte, puisque maintenant ils flirtent avec les 5e places. Et le karaté. Au karaté, nous avons des champions du monde junior, nous avons des athlètes brillants qui peuvent aisément remporter, s'illustrer au niveau olympique. Donc, parmi les recommandations, je suggère de relancer cette question, de considérer ces disciplines parmi les premiers dans le quota de classification des disciplines au niveau de nos sportifs nationaux. Deuxième chose, pour ne pas tarder, le professeur a présenté surtout les aspects psychologiques liés à la préparation des athlètes. Force est de constater que la plupart de nos entraîneurs, une grande majorité, se passent du soutien scientifique dans la concrétisation de leur plan de préparation et la préparation de leurs athlètes. On voit très peu d'athlètes venir d'entraîneurs, venir à l'ISTS, les labos, qui sont là pour essayer d'améliorer leur façon de faire. Ceci, notamment, et puis il y a un problème en psychologie. Vous voyez nos délégations quand elles partent à l'étranger, il y a quasiment absence totale d'un psychologue. Un psychologue. Là, on est au ministère, en 2011, nous avons pris part à deux compétitions régional, à savoir continental et régional, et nous avons intégré le psychologue qui était d'un apport absolument certain, d'un apport considérable pour nos athlètes. Donc, même au niveau, on constate cela au niveau des délégations algériennes, lorsqu'elles participent au niveau international, quand elles prennent part au jeu, alors, voyez ce qui se passe au niveau des fédérations, il y a l'absence totale de psychologie. C'est une discipline qui est négligée alors qu'elle est une condition sine qua non, intimement liée comme exigence à l'obtention de l'excellence sportive. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Tubel. Vous avez été le directeur des sports au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est lui. Donc, votre passage par le ministère a bien montré que, comme vous venez de le dire, que nos athlètes manquent beaucoup de préparation psychologique. Au-delà de la psychologie, je vais me répéter, il y a également le problème nutritionnel. Et là, je saisis la présence de M. le directeur du cabinet pour dire qu'il faudrait affecter à chaque équipe, à chaque fédération, un nutritionniste. Ça, c'est très important, parce que la nutrition est également un moyen de récupération. Y a-t-il encore des questions, s'il vous plaît? Oui, M. Sedek. Une demi-seconde. Je voudrais remercier les personnes qui ont présenté le travail. Et j'ai une question que je n'ai pas bien comprise concernant le stress.
Vous avez dit on s'habitue au stress. Je voudrais des explications, s'il vous plaît. Et
mettre en difficulté, remettre en cause notre équilibre psychique et mental et physique, et puis analyser nos propres ressources internes et externes, c'est le support social des amis, des entraîneurs, et analyser est-ce qu'on peut réagir et répondre aux contraintes de cet environnement. Si les contraintes sont supérieures à nos moyens, c'est ce là on est stressé, parce qu'on n'arrive pas à réagir et on doit trouver les supports, qui sont ce qu'on appelle le coping, ces façons de faire, pour soit fuir, soit combattre, soit revoir ses idées à soi-même, soit préparer un plan d'action nouveau pour affronter le problème, pour régler le problème lui-même, et ainsi de suite. Là, ça dépend de la double confrontation, c'est une analyse cognitive, c'est-à-dire qu'il se fait à travers la perception que la personne a de son entourage et de ses compétences. Plus on se sent compétent, plus on est apte à réagir favorablement et moins on subit de stress, on n'est pas en situation de stress. J'espère avoir répondu, mais ce serait ce que je vous dis. Je vous remercie, professeur Kohaus. Juste une toute petite précision pour monsieur Zedek. Sur le plan biologique, l'exercice physique que nous faisons à notre athlète est un stress. Pour développer sa masse musculaire, il va faire des exercices physiques. Il va augmenter le nombre, donc le volume, et il va augmenter l'intensité. On va aller dans la salle de musculation, je lui donne les barres et je lui dis de travailler. Tout ça, c'est des stress. J'augmente l'intensité de stress. Le corps, comment il réagit? Il s'adapte. C'est là l'adaptation. Comment il s'adapte? Par l'hypertrophie musculaire qui va lui permettre de réaliser de plus grandes charges avec un minimum d'effort et un minimum de fatigue. Voilà. Oui, moi je voudrais juste rebondir sur le... Alors vous, bon, bien sûr, vous mentionnez l'aspect biologique. Moi, je retournerai peut-être un peu sur l'aspect psychologique, professeur Bohaf. Ça me flatte tout autant. Et je voudrais juste... je pose une question et je me dis qu'il faudrait éventuellement que les différences inter-individuelles devraient être vraiment mises en évidence, parce que l'entraîneur... la manière, son approche va différer d'un athlète à un autre, et Dieu seul sait s'il peut éventuellement réellement connaître l'autre, ce dont je doute, vu que quand même l'homme est assez complexe en l'occurrence. Et là je me dis que le stress, vous l'avez mentionné, vous dites qu'on s'adapte crescendo. Moi je vous donne un exemple très basique du quotidien, à partir du moment où l'examen du baccalauréat est à nos portes. Un élève qui échoue à l'examen du baccalauréat et qui le refait l'année d'après, pensez-vous un seul instant qu'il puisse un petit peu l'affronter de manière un peu plus zen? J'en doute énormément. Et il y a l'appréhension de l'échec, la peur de pouvoir se dire « je suis déjà passé par là, j'ai rencontré beaucoup de choses, je sais ce qu'il en est, mais est-ce que je pars pour autant beaucoup plus zen ?» J'en doute. Maintenant, cela diffère d'un étudiant à un autre. Et je me dis que, comme diraient certains auteurs, oui, ce sont les échecs les mieux surmontés qui donnent le droit de réussir. Donc, j'irai un peu plus haut pour expliquer un petit peu le concept d'adaptation. Moi j'ai une voix qui porte, donc j'ai pas eu de soucis pour le micro. C'est gentil. Alors, c'est pas pour la reconnaissance de l'étudiant qui passe son bac cette année. Il va passer le bac 3 jours, 5 jours dans la spécialité, et probablement le premier jour il est plus stressé que le deuxième. Et le troisième jour il est moins stressé que le deuxième. À la fin, il n'est pas stressé, il se dit où ça passe, où ça casse. Il s'est adapté. Maintenant, d'une année à une autre, il aura le temps d'apprendre des choses, de se reconstruire, et ça dépend des personnes. D'ailleurs, très important, un des principes fondamentaux de la psychologie, c'est une différence individuelle. On ne peut pas mélanger, d'ailleurs les athlètes, ça diffère d'une personne à une autre, plusieurs caractéristiques, socio-culturelles, physiques, mentales, tout ça, ça prend en jeu. Et comme expliquait notre collègue tout à l'heure, le métier d'entraîneur, ce n'est pas facile. Il faut avoir un savoir en faire, et se faire savoir sans savoir. Parce que finalement, lorsqu'on sait communiquer, lorsqu'on sait écouter les autres, on arrive à interagir avec eux et donner le meilleur de nous. Merci. Je remercie donc l'ensemble des communicants, je suis désolée, on demande d'arrêter.
travail. Donc on va discuter après. Je remercie pour tous et on va passer tout de suite à la cérémonie de remise des diplômes. Et pour cela, j'appelle monsieur le directeur du cabinet de monsieur le ministre, monsieur le directeur de l'école et un ancien champion qui a été notre collègue, notre étudiant, monsieur Mahdel, pour remettre avec nous les diplômes, je pense. Donc je commence par le diplôme, bien sûr. Donc maître Zobier Kachi. Thank you.
Voilà. Et on termine par remercier M. le directeur de l'école qui, depuis qu'il est venu, nous harcèle sur ses journées scientifiques. Donc, c'est une fierté pour nous. Et maintenant, on vous invite à une modeste collation à la sortie de l'enfant. Merci pour votre présence.